Bonjour. Aujourd'hui, dans la série Les réseaux pédocriminels n'existent pas, le round numéro 9, l'affaire Allègre-Baudis. Donc nous allons aborder aujourd'hui l'affaire Allègre de manière assez complète. D'une part parce que la plupart des textes concernant cette affaire sont en train de disparaître du web, et d'autre part afin de relever tous ces petits éléments qui posent question dans cette affaire, qui fut un magistral exemple d'enterrement judiciaire. Malgré les dizaines de morts suspectes, malgré des aveux circonstanciés, malgré diverses preuves, il fallait sauver la face de celui qui est devenu ensuite le défenseur des droits du peuple français et de ses petits copains. Alors pourquoi revenir sur cette affaire? Parce que l'impunité des notables a toujours été de mise et que cela continue. Du meurtre de Bruet en Artois à l'affaire du réseau pédophile d'Angers, les notables cités dans ces affaires, et parfois inquiétés, ont comme un blanc-seing des autorités en matière de perversion. Notables donc innocents, pourrait-on dire, depuis que l'argent public a servi à financer un téléfilm déplorable intitulé Notables donc coupables, donnant la part belle au point de vue de Baudis sur sa non-implication dans l'affaire Allègre. Pour bien étouffer l'affaire, qui serait remontée au plus haut niveau de l'État, le dossier a été saucissonné, comme dans les affaires Outreau ou Dutroux, ou toutes les affaires qu'on cherche à étouffer. Il est plus simple d'enterrer à chaque fois un petit bout de l'affaire plutôt que de risquer un scandale en mettant toute l'affaire à la poubelle d'un seul coup. Abordons à présent la chronologie et les disparitions. Alors Allègre est né en 1968 et est arrêté en 1997 et reconnaît avoir commis 5 meurtres et 6 viols pour lesquels il est condamné à 30 ans de prison en 2002. Mais la cellule de gendarmerie Homicide 31, chargée d'enquêter sur 195 disparitions non élucidées dans la région de Toulouse au cours des années 80 et 90, met la main sur des témoignages qui ouvrent un nouveau volet de l'affaire, le volet des notables toulousains et des soirées sadomaso pour lesquelles Allègre servait d'homme de main. En 2002, une vingtaine de vieux dossiers de meurtres non élucidés sont donc réouverts. Déjà condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans pour les meurtres et viols de 5 jeunes femmes et un sixième viol en 2002, Patrice Allègre a été mis en examen en 2003 à 5 reprises par le juge d'instruction Serge Lemoine. Il est poursuivi pour de nombreux chefs. Les meurtres de Josette Leguay en 1987, de Lynne Galbardi, de Josette Poiroux, deux prostituées, du travesti Claude Martinez, de Patricia Baleiros, une vendeuse mère de famille, et pour le viol d'une prostituée, le tout au cours de l'année 1992. Outre ces informations judiciaires, le parquet de Toulouse ouvre le 15 avril 2003 une information contre Patrice Allègre et tous les autres. Pour des faits de proxénétisme en bande organisée, viol et complicité, actes de torture et de barbarie, viol sur mineur par personne dépositaire d'une autorité publique. La procédure est confiée aux juges Nicole Bergougnan et Thierry Périquet. Dans ce volet, de 5 prostituées sont parties civiles. Alors voici la liste de meurtres et disparitions attribuées à Allègre ou auxquelles il aurait pu être lié. Cette liste reprend une partie des disparitions non élucidées dans la région de Toulouse. Allègre a été impliqué dans certains, on a nié beaucoup, et n'est probablement pas impliqué dans tous. Cependant, toutes ces disparitions pourraient être liées aux mœurs nocturnes locales. Au sein de l'association Stop à l'oubli, des proches de certains disparus ont tout fait pour que la justice se penche sérieusement sur ces affaires. En vain. Jean-Jacques Alleman, 20 ans, a été jeté, lesté, dans le canal du Midi. Il avait le corps entravé par des liens et relié à un plot en béton. Les deux légistes, Brasse et Allengrain, vont conclure à un suicide. Au total, 15 morts suspectes ont été classées en suicide. Disparition de Martine Escadeillas, 30 ans, à Ramonville, nord-est de Toulouse, le 8 décembre 1986. Assassinat de Suzanne Mortessagne, 65 ans, à Gagnac, voisine de Josette Leguay, à Toulouse, le 6 juin 1987. Elle a été tuée d'un coup à la tête et son corps est retrouvé sous des branchages, pas loin de là où a été retrouvé le corps de Laure Martinet, une autre victime avérée d'Allègre.
Anne-Marie Néral de Puybesque, 60 ans, infirmière, disparaît le 6 août 1987. C'est la sœur du premier président honoraire de la cour d'appel de Toulouse. Tuée chez elle, à Launaguet, commune voisine de Saint-Gignès-Bellevue où vivait Allègre. Hadja Benyoussef, 26 ans, retrouvée morte par son fils chez elle à Toulouse le 30 novembre 1987, avec une cordelette autour du cou, une couche culotte pliée en 8 dans la bouche et un couteau dans la gorge. Elle a été égorgée et étouffée, mais, là encore, on a conclu, au suicide. Les deux experts légistes, adeptes donc du suicide, Brass et Allengrain, ont estimé que, je cite, « la défunte, après avoir essayé dans un premier temps de s'entailler la gorge avec un couteau, avait pu tenter de se pendre à l'aide de la cordelette, puis, n'y parvenant pas, se planter le couteau de cuisine à travers la gorge et a provoqué la section de la carotide. » Il fallait vraiment en avoir envie d'en finir. Conclusion des deux experts, acte suicidaire double ayant débuté par une tentative infructueuse de pendaison. En outre, ses proches confirment qu'elle n'était pas du tout suicidaire et qu'elle avait des projets à court terme. Il y avait des traces de sang dans l'escalier donnant accès à l'appartement. Le dossier a été rouvert en 2002 et en 2005, un ancien compagnon de la victime est mis en examen et renvoyé aux assises en 2009. Josette Le Goy, prostituée assassinée par étranglement le 5 décembre 1987. Allègre avait 20 ans et vendait de la drogue dans le quartier. Il a bénéficié d'un non-lieu. Pourtant, l'appartement de la victime avait été incendié, comme dans 3 autres meurtres pour lesquels Allègre a été jugé coupable et pour lesquels un expert a relevé une unicité d'auteur. Deux prostituées du quartier ont refusé de monter avec lui ce jour-là à cause de son comportement. En outre, Allègre avait une moto similaire à celle vue dans le coin du meurtre. Et enfin, 9 jours après le meurtre, une médaille portant le prénom de Marie, comme la colocataire de Josette, a été vendue à un bijoutier où Allègre avait déjà vendu des bijoux d'une autre victime, Laure Martinet, 10 jours après sa mort. Valérie Tariotte, 21 ans, ex-serveuse au bar de la gare Matabiau où Allègre travaillait aussi, est tuée le 27 février 1989. Découverte sur son lit, bâillonnée avec les poignets liés et la tête reposant sur une casserole pleine de sang, habillée seulement d'un t-shirt. Les légistes n'avaient pas repéré de coups, mais elle avait un foulard dans la bouche. 5 jours auparavant, le gardien de l'immeuble avait trouvé dans le local à poubelle son sac à dos jeté contenant ses papiers d'identité. Pourtant, les légistes Brass et Allengrain ont conclu à une intoxication aux médicaments. Le 2 décembre 1997, Allègre avoue aux gendarmes l'avoir tué, disant, je cite, « J'ai tué une fille là, elle s'appelait Valérie, elle travaillait avec moi au buffet de la gare. » Il avait travaillé effectivement avec elle au bar de la gare. Allègre a été condamné en 2002 pour ce meurtre. Hélène Loubradou, 27 ans, mère d'un enfant, disparue le 16 août 1989 de la clinique Auferie à Pain-Balma où elle séjournait suite à une dépression en y laissant ses affaires. Dans son journal intime, remis à la police, elle mentionne une rencontre avec Pat au cours de sa promenade autour du lac de Florence où Allègre allait souvent pêcher. Au bord du lac, un serveur la reconnaît et dit qu'elle était souvent avec un type qui ressemblait à Allègre et que leur dernier entretien était plutôt orageux. Pour cette affaire, Allègre a eu un non-lieu confirmé le 9 septembre 2010 par Panzani. Un chauffeur de taxi qui passait souvent à la clinique Auffray a dit qu'Allègre s'y trouvait régulièrement. Un gendarme de la cellule interroge le chauffeur de la navette effectuant le trajet entre Balma et la clinique qui reconnaît en Allègre un habitué des lieux. Le gendarme, fait un PV d'audition, mais quelques jours plus tard, il est dessaisi de ce dossier et réintègre sa brigade d'origine. Le chauffeur est réentendu un an plus tard par la cellule, mais il ne se souvient plus d'Hélène Loubradou et Allègre n'a jamais été entendu dans cette affaire. En septembre 2000, le père d'Hélène Loubradou rencontre Roussel, qui ignore de nombreux détails.
Son père, enseignant à la retraite, qui fut l'adjoint de l'ancien ministre Maurice Faure à la mairie de Cahors, a été l'un des fondateurs de l'association Stop à l'oubli. Quand il a appris l'arrestation d'Allègre, il a demandé à voir le dossier de sa fille, qui était vide. Presque toutes les pièces qu'il avait vues dans le dossier, y compris certaines qu'il avait données, avaient disparu. Finalement, le dossier a été clos par un non-lieu, voilà, en septembre 2010. On n'a toujours pas retrouvé le corps de la pauvre Hélène. Laure Martinet, une jeune étudiante de 19 ans, violée et assassinée avec grande violence lors d'une fête à Saint-Geniès, le 24 janvier 1990, dans le village de sa mère. Allègre était son voisin de lotissement à Saint-Geniès-Bellevue. Allègre l'a violée, battue et tuée. On a fait des prélèvements ADN sur les habitués du bar de Saint-Geniès-de-Bellevue, mais Allègre y a échappé, alors qu'il allait souvent, il y allait souvent avec son frère. Les faits se sont produits à Plaisance-du-Touche. Le dossier est réouvert en juillet 1997, après l'arrestation d'Allègre. Marie Lombrassa, 40 ans, infirmière vivant à Castres, retrouvée morte un mois après sa disparition dans le bois de Dourgne, dans un secteur où Allègre se rendait parfois. Elle disparaît de chez elle le 1er mai 1990. L'autopsie révèle des traces de fractures, y compris au visage. Le corps a manifestement été déplacé, mais l'affaire est classée. La cellule homicide 31 reprend le dossier 10 ans plus tard et les premières investigations révèlent plusieurs individus étranges dans l'environnement de Marie Lombrassa. Puis l'enquête est interrompue. Valérie Réorda, 16 ans, disparue le 7 avril 1990 à Saint-Jory. On a retrouvé le corps de Valérie dans un terrain vague, dissimulé sous des branchages. Cause de la mort, inconnue. Dossier clos en 1999. Le dossier a été rouvert quand Allègre a été arrêté. Une deuxième autopsie a montré une trace de coups violents à la tête. Mais Allègre a finalement eu un non-lieu en mars 2008. Des soupçons auraient aussi été portés sur le père de la jeune fille. Allègre avait des amis proches de Saint-Jory, comme Gilles Bivy, chez qui il avait séjourné et avec qui il a pris l'apéro chez Bourraguet. Il participait aussi à des fêtes au foyer des jeunes qu'il fréquentait à l'époque. C'est à Saint-Jory aussi que sa compagne, Cécile, était hébergée chez une amie, employée communale durant l'été 1990. Il la rejoignit entre deux deals dans le quartier de la gare Matabio à Toulouse pour voir sa fille Anaïs, âgée d'un an à l'époque. Je cite « Ma nièce a été vue aux autotamponneuses avec un homme ressemblant à Patrice Allègre. Il y a des gens qui savent ici. Ils me l'ont dit, mais ils ont peur de parler, sachant qui il est. » S'indigne Elisabeth Réorda, qui attend un aveu pour faire le deuil de Valérie. Précision de Michel Roussel. Dès avant la création de la cellule, Allègre indique qu'il a son coiffeur à Saint-Jory, où il vient régulièrement pêcher. En 2000, on sait aussi qu'Allègre a trois amis très proches qui habitent à moins d'un kilomètre de chez Valérie Réorda. Il avait caché une voiture volée et du foie gras provenant d'un cambriolage d'usine chez l'un d'eux. Il faut reprendre l'enquête et refaire analyser l'ADN du sang retrouvé sur le carrelage de la maison familiale de Valérie, réentendre ses amis. De plus, les policiers de la cellule homicide 31 ont reconnu Allègre sur les photos de l'enterrement de Valérie Réorda. Meurtre d'Edith Schlechard, 22 ans, le 17 septembre 1990. Elle disparaît en faisant du stop dans l'Ariège et est retrouvée dans un fossé, la jupe relevée, à Sainte-Gabelle, fief de Jospin. Elle a reçu des coups au visage et a été retrouvée avec une bombe lacrymogène entre les jambes, le collant baissé. Les légistes Brass et Allengrain ont conclu au suicide par intoxication médicamenteuse, sans prélèvement biologique, et délivrent le permis d'inhumer. À l'époque, les flics tentent de faire croire aux parents d'Edith qu'elle se prostituait. Après exhumation du corps en 2004, on a découvert des traces de coups extrêmement violents au visage et conclu à une mort violente. Marc Bourraguet était de permanence ce jour-là. Selon l'enquête de l'époque, Edith
Schlechard est présentée comme une marginale, toxicomane et prostituée occasionnelle. Mais les deux procès-verbaux des gendarmes sont peu documentés et font la part belle aux rumeurs plutôt qu'aux faits. Si cette jeune femme originaire de Chamonix a bien eu dans le passé des soucis avec la gendarmerie pour des affaires de stupéfiants, rien à Toulouse, où elle était installée depuis 8 mois, ne permet de le remettre en cause. Elle ne figure pas au fichier des mœurs. Je cite. Elle vit effectivement dans un petit village de l'Ariège avec son amie, se lève tous les matins pour aller travailler à Pamiers comme secrétaire, si c'est cela la marginalité. S'indigne maître Pierre Dunac, l'avocat de la famille. Bourraguet voyait Fanny le soir où Edith Schlechard a été tuée et il est parti brusquement pour se rendre sur les lieux du crime, comme en attestent des photos prises sur place. Nous reviendrons sur Fanny plus tard. Nicole Ginestet, 38 ans, est retrouvée noyée dans la Garonne à Cordes-Tolosane le 30 janvier 1991. Son visage portait des traces de coups. Meurtre de Lynn Galbardi dans la nuit du 2 ou 3 janvier 1992 à 28 ans, dans un hôtel de Toulouse. Patricia dit avoir assisté au meurtre commis par Allègre et Lakhdar Messaouden. Allègre a eu un non-lieu en janvier 2010. On a conclu que Galbardi était morte par intoxication. La raison était que Lynn avait parlé à un flic, Jean Ziegler, qu'elle ne savait pas pourri de l'assassinat d'une jeune prostituée de 16 ans jetée dans le lac de Noé. Ziegler a immédiatement prévenu Messaouden et Allègre et leur a conseillé de la liquider. Fanny dit avoir assisté à cette conversation également. Nous reviendrons sur Patricia et Fanny. Malgré cela, Messaouden nie connaître Allègre et au départ, les flics soupçonnent le frère de Lynn Galbardi d'être responsable de sa mort et il est même accusé d'avoir eu avec elle des relations incestueuses. Lynn Galbardi s'est prostituée très jeune, dès ses 18 ans probablement, en France mais aussi à Madrid ou Barcelone. Elle est vite devenue toxicomane et a perdu tout contact avec sa famille. Elle arrive à Toulouse en fin 91 avec son Mac, Biryam Diallo. Quelques semaines plus tard, elle est assassinée à l'hôtel de l'Europe. On a rouvert le dossier Galbardi, classé en suicide. Quant à Allègre, a dit qu'il avait déjà tué une prostituée à l'hôtel Europe en 2005. Les enquêteurs retrouvent Fanny et Patricia qui signalent séparément que Lynn Galbardi a été assassinée avec une grande violence par son souteneur Lakhdar Messaouden et par Allègre qui fournit la drogue et servait d'essayeur, joli terme, pour les jeunes filles. Lynn aurait été tuée après avoir assisté à l'essayage d'une fille qui a mal tourné et a été tuée parce qu'elle en a parlé aux flics. La première autopsie avait conclu à une mort par asphyxie. La deuxième constate des coups sur la tête. Peu de témoins sont interrogés. Le gardien de l'hôtel, qui avait effacé les traces du meurtre et disait ne pas se souvenir qu'il s'agissait d'un hôtel de passe, n'a jamais été interrogé. Il est mort en 2003. La deuxième autopsie de Lynn Galbardi en 2005 montre que la mort est due à des coups assénés sur le crâne avec une grande violence. Patricia a expliqué à l'époque, terrorisée, elle n'avait rien dit sur l'ordre d'un policier. Je cite « Le 3 janvier 1992, poursuit-elle, elle est allée voir le commandant Lionel Ziegler car elle lui faisait confiance. Je lui ai révélé ce qui s'était passé pour Lynn. » Il me répond que pour moi, il est temps de partir, que je dois faire une déposition et m'indique de n'en rester qu'aux généralités. Il m'accompagne devant ses collègues, qui d'ailleurs ne me poseront aucune des questions que vous me posez. Lionel m'avait dit que l'affaire allait être classée. Le procureur Marc Bourraguet, substitut du procureur au parquet financier de 1989 à 2002, était présent sur les lieux du meurtre de Lynn Galbardi avant la police, alors qu'il n'était pas de permanence au parquet. Il a écrit le contraire au juge Lemoine. Le lendemain, les policiers de la sûreté présents, les commandants de police Jean-Pierre Zer, Jean-Claude Jolibert et leur patron de commissaire Gérard Attier mentionnent 6 fois dans les procès-verbaux le déplacement de « Monsieur le procureur de la République » sans le nommer et oublient de qui il s'agit.
Marc Bourraguet se mêle de l'enquête sur le meurtre en se rendant sur les lieux de l'hôtel de l'Europe, alors qu'il n'est pas de permanence. Le tableau des permanences disparaîtra, mais la magistrate Brigitte Grosjean a confirmé que c'était elle qui était de permanence. La scène de crime aurait été modifiée par Patricia, qui aurait même changé le corps de chambre. D'ailleurs, la chambre où s'est déroulé le crime officiellement ne correspond pas à la description des faits. En outre, lors de la reconstitution, Allègre s'est dirigé directement vers une autre chambre que celle où a été retrouvé le cadavre. La dernière confrontation, organisée le 23 janvier 2008, au cours de laquelle les scellés refermant la literie saisie à l'époque ont été ouverts, soulève de nouvelles zones d'ombre. On découvre que la scène du crime a été modifiée, et aussi que les draps housses ne correspondent pas à ceux utilisés dans l'hôtel, comme viennent le confirmer l'ancien propriétaire et la femme de ménage. Ces derniers rappellent également qu'une forte somme d'argent liquide, au moins 50 000 francs, se trouvait dans un sac de supermarché sur une table, parfaitement visible. Aucun autre client, aucune prostituée de l'entourage de Lynn Galbardi n'a été entendue, et encore moins Messaouden. Le gardien de l'hôtel a été simplement interrogé alors que le magistrat instructeur avait demandé sa garde à vue. Il aurait participé au nettoyage de la chambre et disait même ignorer s'il s'agissait d'un hôtel de passe, ce qui est fortement improbable. Le gardien est mort en 2003, juste avant le non-lieu prononcé pour le meurtre de Lynn Galbardi. Allègre a avoué le meurtre de Lynn le 30 mai 2003 au juge Lemoine, puis dans sa lettre à Carl Zéro avant de se rétracter le 19 juin 2003. Il change alors d'avocat et depuis, il n'a plus jamais rien dit. Il y a un non-lieu en janvier 2010 pour ce meurtre. Le meurtre dont parlait Lynn Galbardi était, selon Patricia et Lynn Galbardi donc, celui en décembre 91, d'une prostituée de 16 ans appelée La Puce. Peut-être Patricia Caillet, qui était enceinte. Elle débutait dans la prostitution depuis quelques jours. Messaouden, Allègre, Lynn Galbardi et Patricia l'ont emmenée dans un bois au bord du lac de Noé près de Saint-Gaudens pour la débourrer, c'est-à-dire la violer au maximum pour qu'elle soit bien docile. Ils l'ont frappée, Allègre l'a violée, puis ils l'ont étranglée et jetée dans le lac avec du ciment aux pieds. Messaouden avait le matériel dans sa voiture. 4 autres jeunes filles auraient été cimentées dans ce lac. Plus tard, les fouilles menées par la justice n'auraient rien donné. Apparemment, il existe des traces du passage de Patricia au commissariat peu après le meurtre de La Puce. Suite à cela, un ami d'Allègre lui a donné rendez-vous dans un hôtel où elle devait se rendre sous un faux nom, si bien que Patricia a choisi d'arrêter la prostitution et de fuir Toulouse. Bonne idée. Claude Martinez, travesti SM, poignardé dans son studio le 25 février 1992. Il organisait des soirées qu'il filmait et avait l'habitude de faire chanter certains de ses clients mariés. Sa sœur a remis son carnet d'adresse aux flics, mais quand leurs collègues ont ouvert le dossier en 2000, le carnet avait tout simplement disparu. Et il ne figurait pas parmi les fichiers détruits, ainsi que plusieurs cassettes vidéo. En 2003, tous les scellés concernant ce dossier avaient disparu. Allègre, mis en examen en mai 2003 pour ce meurtre, a avoué l'avoir tué pour récupérer les vidéos. Selon la sœur de Claude Martinez, le crime a eu lieu quelques jours après une menace de chantage mettant en cause un gros entrepreneur toulousain. Non-lieu pour le viol avec arme de Françoise Dorival, 33 ans, en février 92. Elle est allée porter plainte contre Allègre en 99. Lorsque les enquêteurs lui posent des questions sur Galbardi, elle leur répond que Patricia et Fanny, selon elle, ont assisté au meurtre. Corinne Lazari, 29 ans, une aide-soignante, volatilisée sur la RN 117 le 2 mars 92. On retrouve sa voiture abandonnée près de Saint-Gaudens, en panne de carburant, fermée et avec le sac à main de Corinne. L'enquête n'a jamais été rouverte. Je cite, « Des éléments essentiels ont été négligés lors de la première constatation », avait dit en 2000 l'avocat des parents. Le 29 mars 1992, on retrouve le corps carbonisé de 4 travestis dans leur appartement. L'autopsie conclut à une mort par asphyxie. Bon. Aucune autopsie n'est pratiquée, contrairement à ce qui est assuré aux familles. En septembre 2004, à la faveur
de l'affaire Allègre, les corps de deux d'entre eux sont exhumés, les deux autres ayant été incinérés. Les expertises révèlent alors des lésions antémortem traumatiques troublantes sur la boîte crânienne que l'incendie ne peut expliquer, et notamment l'enfoncement d'un os dans le conduit auditif. Il n'y a aucune trace d'oxyde de carbone dans les poumons, comme cela aurait dû se produire en cas de mort par asphyxie. Quelques jours avant, deux d'entre eux auraient été entendus dans le cadre d'une enquête ouverte sur le meurtre de Claude Martinez, qui connaissait au moins deux des victimes. Allègre a été soupçonné du meurtre de Patricia Baleiros Gélis, 29 ans, mère de famille disparue le 5 octobre 1992. Son corps est retrouvé le 6 décembre 1992, à demi immergé dans la Garonne, 20 km en aval de Toulouse, près de Merville, dans une zone où Allègre allait pêcher et proche des lieux où on a retrouvé les corps des deux femmes dont l'une a été tuée. Deux commerçants ont vu Patricia Gélis sortir de la voiture d'Allègre plusieurs fois. Un autre témoin, patron d'un bar, en face du magasin où elle travaillait, a vu Allègre venir parfois à la même place face au magasin. Le corps a été retrouvé dans la Garenne, là où il pêchait, et où plusieurs corps ont été retrouvés, dont une victime d'Allègre. Il a été mis en examen pour ce meurtre, classé par un non-lieu. Josette Poiroux, non-lieu aussi. Masseuse érotique SM de 42 ans, assassinée au couteau le 21 octobre 1992. Et là aussi, l'appart a été incendié de la même manière que celui de Josette Legoy et de deux autres victimes. Une prospectrice de France Loisirs, avait reconnu Allègre dévaler les escaliers de l'immeuble à ce moment-là. En plus, dans le carnet de rendez-vous de Josette Poiroux, on voit qu'elle a eu un rendez-vous à 13 reprises avec Allègre. Son Mac était un avocat appelé René. Eh oui. Il est possible que Josette Poiroux ait été tuée car elle cassait les prix. Hélène Rodès, 41 ans, mère de 5 enfants, noyée le 19 juillet 1995 dans le lac de Cazères. La justice conclut au suicide. Mère Roussel a rouvert le dossier en janvier 1998, après qu'Allègre, qui a travaillé à la base nautique de ce lac, ait déclaré lors d'une audition qu'il avait, entre 1992 et 1995, balancé une femme dans le lac de Cazères après l'avoir violée et étranglée. L'affaire a été conclue par un non-lieu. On peut encore ajouter que Cazères, c'est la ville où un incinérateur aux activités suspectes était en activité à l'époque de l'affaire Allègre. Et certains pensent que les corps humains ont été incinérés directement. Des corps humains, pardon. Une seule de ces victimes en a échappé. Émilie Espèce, 20 ans, agressée le 10 février 1997. Ce soir-là, elle sort en boîte avec Allègre, qui vient de rompre avec son ex-femme, Sylvie, dont il est la mère d'une petite fille. Suite à la soirée, Émilie est fatiguée, elle demande à Allègre de la raccompagner. Elle s'endort dans la voiture et se réveille brusquement en sentant qu'elle est en train de se faire étrangler. Allègre la viole là-bas, mais grâce à sa présence d'esprit, Émilie lui parle, lui dit que c'est pas grave, etc. Et elle évite de se faire tuer, j'imagine. Ceci dit, il l'oblige à passer la nuit avec lui, chez un couple d'amis à lui, avant qu'elle ne réussisse à s'échapper au petit matin. Allègre savait qu'il allait être identifié, hein, parce qu'elle avait été rouée de coups, et est partie en cavale. C'est elle qui permet d'identifier Allègre. Là, on compare l'ADN avec celui retrouvé sur Laure Martinet. Selon l'ancien policier Alain Vidal, qui a retrouvé le corps, Allègre a aussi tué Martine Mathias, secrétaire de direction chez Siemens et championne de boxe française, dans son appartement le 21 février 1997. Vidal a dit qu'il a la conviction que Martine Mathias a été exécutée sur commande. Ce n'est pas le meurtre d'un simple tueur en série comme on a voulu le faire croire. C'est un contrat. Son assassinat est lié au monde de la nuit toulousaine.
Avant le meurtre, Allègre avait démonté le système d'éclairage de l'étage. Eh bien, ça a été classé en suicide le soir même. Pourtant, la victime a été violée et torturée, les poignets attachés aux chevilles, et son appartement a été incendié via deux départs de feu différents. Et Vidal avait conclu à un meurtre en l'espace de 2 heures. Allègre avait fini par avouer ce meurtre également. Il a aussi tué, durant sa cavale, Mireille Normand, 35 ans. Les faits se sont produits en juin 97, en Ariège, dans une communauté 68arde où Allègre s'était planqué. Le corps de Mireille Normand a été enterré dans le jardin de sa grande maison en Ariège. Elle a été bâillonnée, ligotée, violée et torturée. Arrivé en Espagne, toujours dans sa cavale, il tue Isabelle Chichery, 28 ans. Elle est employée de la SNCF et l'invite chez elle à Paris. Battue, violée, appartement incendié. En juin 97, elle avait croisé Allègre en Espagne et l'avait invité chez elle à Paris 2 mois plus tard. Quand elle lui a demandé de partir, il l'a tuée. Suite à ce meurtre, il est arrêté le 4 septembre 1997. Hélène Lowes, mère de famille dont la police a dit qu'elle s'est suicidée, ce qui serait faux. Pour les nombreux meurtres devenus des suicides, on a mis en accusation 2 médecins légistes, Pierre-Marie Brasse et Daniel Allengrain, qui étaient 2 experts incontournables de la région. Allengrain avait aussi conclu au suicide du juge Borel en 95. Une mère de victime a été obligée par les policiers de dire que sa fille, violée et torturée par Allègre, était une prostituée. 4 travestis, Jean-Tony Cocou, dit Paco, Gilles Laclotte, dit Gina, Serge et Jean-Claude Marco meurent dans l'incendie de leur appartement le 29 mars 92 à Toulouse. Comme nous l'avons vu, pas d'autopsie. En 2004, une information est ouverte pour homicide volontaire. Nouvelle autopsie, traces de coups et 2 employés d'une boîte sadomaso de Lisle-sur-Tarn en 92 car elle parlait beaucoup trop. Ont aussi disparu. Parlons à présent de l'enquête. Alors, selon Fanny, Christelle Bourg, dite Patricia, serait peut-être un faux témoin destiné à décrédibiliser les autres qui tentent de dire la vérité. Fanny a écrit, je cite, « Je n'ai rien en commun avec elle. Elle a dressé des filles pour les mettre sur le trottoir. Elle a déclaré des choses que je ne confirme pas. Jamais je n'ai vu Allègre et Messaouden lester une fille d'un bloc de ciment pour la jeter dans le lac de Noé. Pourtant, la justice a saisi l'occasion de l'échec de recherche dans ce lac pour décrédibiliser tous les propos de tous les témoins à charge. Au final, Allègre a comparu pour 6 violées et 5 meurtres en 2002. Mais dans le secteur de Toulouse, il n'y a pas moins de 191 morts suspectes entre 89 et 2002. Et selon l'IGPN, il y a 195 morts et disparitions non élucidées à Toulouse entre 86 et 97. Les derniers non-lieux dans l'affaire Allègre ont été prononcés à l'été 2010 par Jean-Dominique Panzani, président de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Toulouse. Patricia et Fanny, elles, ont été condamnées pour dénonciation calomnieuse le 26 mars 2009. Les premières dépositions sur les sévices sexuels commis par Allègre et Baudis ont été recueillies le 10 et 13 février 2003, à un moment où la cellule de 8 enquêteurs travaillait sur 26 enquêtes en cours. Les premières vérifications n'ont lieu qu'en avril 2003, quand le procureur Bréard est nommé sur l'affaire. C'est à ce moment-là que la cellule Homicide 31 a été réorganisée. Juste après avoir remis son rapport, Bréard est muté à Bordeaux. Vidal a écrit, je cite, « Quelle ne fut pas ma stupéfaction d'apprendre que dans les années 88-89, une jeune fille mineure avait été employée dans les locaux du commissariat central de Toulouse. Si j'en crois sa date de naissance, elle avait maximum 15 ans. Pire encore, cette même personne réapparaîtra dans le dossier Allègre comme prostituée à l'âge de 17 ans. Fait avoué
est reconnue puisque son proxénète sera condamné en correctionnel de ce chef. Ou encore, je cite, « D'autres témoins nous apprendront que courant 87-88, à l'issue d'un repas dans une discothèque renommée de la capitale, des Violettes, en compagnie d'un notable également visé dans l'affaire Allègre, la personne l'accompagnant, en remontant dans son véhicule, notera qu'il y règne une odeur particulière. Il aura la bonne idée d'ouvrir le coffre et, stupéfaction, il découvrira la présence d'un cadavre. Il confiera alors à ses proches qu'à Toulouse, il se passait des choses très graves. Mais il semblerait qu'a priori, on ne signalera pas cette découverte, comme cela aurait dû être le cas à la police. » Au sujet des soirées toulousaines, Vidal ajoute, je cite, « Découvrons également qu'un des magistrats cités dans ce sulfureux dossier était au mieux avec une tenancière de bar dit « américain » où il passait de nombreuses soirées dans cet établissement à la superficie des plus modestes, mais au nom évoquant un bâtiment que l'on trouve à Versailles. Ce monsieur était très connu des autres établissements semblables situés aux divers points de la ville rose. Très dévoué pour ses amis, cette personne organisait des soirées très chaudes, se chargeant même de trouver les lieux ou les demeures pour se faire. Il paraît même qu'elle organisait des soirées spécial flic. Les témoins sont fort nombreux pour attester que sur le quai où était situé cet établissement, c'est à longueur de nuit que les véhicules y stationnaient et que même des policiers s'y trouvaient à demeure. Ces soirées se passaient dans les environs de Toulouse et même dans les établissements de départements limitrophes. Selon les aveux d'une tenancière, il y avait parfois jusqu'à 70 personnes par soirée, de préférence masquées, bah oui. Mais dans la nuit, les masques tombaient d'eux-mêmes, et ainsi tout ce beau monde se reconnaissait. Il a même été indiqué que chaque participant réglait la modique somme de 4000 francs. Nadia, 30 ans, soignée pour dépression nerveuse, première à expliquer que la mort de Galbadi pouvait être une punition infligée par ses proxénètes. Mère d'un garçon de 7 ans, recruté et violé par Allègre en 91. Puis elle a vécu avec Messaouden. Elle raconte les relations de celui-ci avec des policiers du commissariat de Toulouse et son implication dans des trafics d'armes et de drogue. Elle a témoigné dans les colonnes de la Dépêche ce qu'elle a vécu avec Marc Bourraguet et avec Allègre. Elle se retrouve à 18 ans, en novembre 91, sur le trottoir face à l'hôtel de l'Europe dans le quartier Matabiau. Elle confirme n'avoir jamais participé à des soirées sadomasochistes. Mais un jour, explique-t-elle, Lagdar m'a dit « Ce soir, tu pars avec un client pour la nuit. » Je suis partie avec ce client qui s'avère aujourd'hui être Marc Bourraguet. Je ne le savais pas à l'époque, mais je l'ai reconnu en photo dans la Dépêche lorsque le scandale a éclaté, mais aussi à une audience au tribunal de Montauban. Ce soir-là, on a fait beaucoup de kilomètres et on est arrivé dans une grande maison à Arbas. En fait, je suis restée 2 ou 3 heures avec lui et il m'a ramenée à Toulouse. Les rapports ont été normaux, il n'y avait pas plusieurs personnes ni d'actes de barbarie. Il ne m'a pas payé la passe. Lagdar m'avait dit que c'était arrangé avec lui. De toute façon, Lagdar me prenait tout. Pour moi, c'était juste pour 1 ou 2 passes par jour. Patricia m'a dit qu'il fallait être protégé et m'a présenté Lagdar. Il m'a emmené chez lui au Mirail et il m'a essayé. Il m'a enfermé durant 15 jours à clé avant de la mettre sur le trottoir à côté de Patricia. À chaque passe, Lagdar était toujours derrière moi et prenait l'argent. Il me battait aussi, je prenais des coups. Sur instruction de Messaouden, elle remettra une seule fois une enveloppe à des policiers que je ne connais pas. Magali, née en 1974, famille de banlieue toulousaine, père éducateur, mère assistante sociale. Ado turbulente, prostituée en septembre 91 quand elle est hébergée par Messaouden à 16 ans. Le 16 novembre 91, elle est arrêtée par une patrouille de gendarmerie avec un client dans une voiture. Elle explique comment Patricia l'a mise en contact avec Messaouden, qui prend tout son argent, la viole et lui fait faire jusqu'à 14 passes par soir. Sa famille porte plainte contre Messaouden le 3 février 92 et il est arrêté 2 mois après.
Il est jugé en correctionnel au lieu des assises et ne prend que 3 ans de prison en correctionnel avant d'être expulsé en 95. Le colonel Kouider Lakhdar, qui mène l'enquête, a mis de côté les charges les plus graves contre Messaouden, comme les actes de torture et les viols sur mineurs. Ben oui. Quand l'affaire Allègre éclate vraiment en 2003, elle est amenée à témoigner dans le cadre de l'enquête menée par la cellule homicide de 31. 12 ans après les faits, elle se porte partie civile et porte plainte pour viol et actes de barbarie contre Messaouden, Allègre et une troisième personne qu'elle refuse de nommer. Claude de B, alors cadre d'aérospatial, qui aurait été le premier Mac de Fanny le 11 juillet 2003. Le procès se retourne contre les plaignants. Florence Kelifi et Christelle Bourg sont condamnées pour diffamation. Magali n'est pas reconnue comme victime. Messaouden et Allègre, bien sûr, obtiennent un non-lieu. Parallèlement, avec ses parents, Magali porte plainte contre l'État pour dysfonctionnement grave et déni de justice dans la procédure la concernant alors qu'elle était mineure. Au moment de la plainte de Magali contre Messaouden, Nathalie, une autre prostituée âgée de 19 ans à l'époque, à l'enfance douloureuse et mère d'un petit garçon de 2 ans placé à la DAS, vend ses charmes pour subsister dans le quartier de la Car Matabio. Patricia l'a aussi présentée à Lakhdar, qui, assure Nathalie, me prenait tout l'argent et me procurait les préservatifs. Mais le proxénète a des projets pour la jeune femme, qu'il veut placer sur le trottoir à Marseille. Elle refuse car elle veut surtout conserver son droit de visite à son fils tous les 15 jours. Elle dépose plainte et Lakhdar sera finalement arrêté le 24 janvier 92 à son QG, le bar de la Meunière, par les inspecteurs Brousse et Bernardou de la Sûreté toulousaine. On savait qu'il était le Mac de Lingalbardi, mais il n'a jamais été interrogé au sujet du meurtre à cette époque. Fanny affirme être montée fin 90 à l'hôtel de l'Opéra, place du Capitole, avec Bourraguet, substitut du procureur de Toulouse, et y avoir retrouvé Jean-Jacques Ignacio, substitut général, et le procureur général de Toulouse, Jean Wolf, surnommé par elle l'homme du Capitole. Flic suspect. Gérard Autier, ancien commissaire de la Sûreté dans les années 90, entendu comme témoin par le juge Lemoine en juin 2003. Alain Dreuil, Kouider Lakhdar, directeur de la brigade de recherche de Haute-Garonne de 87 à 93, qui a été mis en cause en 2003 en tant qu'ex-chef de la brigade de recherche, 10 ans après la fin de sa carrière en 93 dans une affaire de trafic de meubles volés. D'après certains témoins, Lakhdar a traîné du côté de l'incinérateur de Caser. Cet incinérateur était destiné aux animaux et Lakhdar était, depuis 1997, président départemental de la SPA, qui avait accès à l'incinérateur. Il a été viré de la SPA en 1997 suite à sa gestion contestée. Lakhdar nie aussi, contre toute évidence, avoir jamais rencontré Messaouden, alors que Messaouden dit que Lakhdar lui a conseillé de se mettre au vert. On peut aussi noter que la fille de Lakhdar était amie avec l'une des disparues, Hélène Loubradou. Puis Lakhdar est devenu avocat. Tadam ! Le 24 janvier 1992, Nadia dénonce son proxénète qui lui a volé 40 000 francs et veut l'emmener à Marseille. Mais Saouden est emprisonné le 25 pour proxénétisme aggravé, sur réquisiteur de Bourraguet, et le 28, il est interrogé par les gendarmes. Le PV d'audition disparaîtra. Condamné à 3 ans de prison, il est expulsé en Algérie en juin 1994, selon lui, afin qu'il ne parle pas. Je cite « Sur ma première condamnation, le gendarme L m'a auditionné, il m'a demandé de me taire. J'ai été manipulé par une société pourrie. » Messaouden rentre spontanément en France en juin 2003 pour être mis en examen. Il avait déjà fait l'objet d'une enquête pour proxénétisme aggravé dès le 17 novembre 1991. En juin 2000, on met en place la cellule 31, homicide 31.
Le 21 février 2002, après 10 jours d'audience, les assises de Haute-Garonne condamnent Allègre à la perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans. 8 janvier 2003, au bout de sa 11e audition par Roussel et des mois à la mettre en confiance sur la volonté d'élucider l'affaire, Patricia craque et avoue avoir assisté au meurtre de Lynn Galbardi par Allègre pour la punir d'avoir parlé. Elle dit qu'Allègre travaillait pour Messaouden et qu'ils étaient protégés par les inspecteurs Lionel Ziegler et deux autres qui couvraient leur activité contre des fellations et des enveloppes marrons de 900 francs chaque semaine. Fanny, ex-gonzesse d'un directeur de firme, M. de B, puis d'Allègre, puis d'un substitut du procureur toulousain surnommé Marcus, affirme avoir participé avec Patricia à des séances sadiques dans le bureau de 5 magistrats du palais de justice de Toulouse. Elle dessine un plan du bureau de Marcus et un portrait de celui-ci, tous deux très ressemblants, en écrivant à côté « Personne m'ayant fait beaucoup de mal avec Patrice ». S'agirait-il de Marc Bourraguet ? Rapport Bréard, remis à sa hiérarchie en 2005. Il soupçonnait un magistrat de Toulouse d'avoir eu des relations amicales avec Allègre, disant que ce magistrat s'est retrouvé sur les lieux d'un crime avant l'arrivée de la police, alors qu'il n'était pas de permanence. Il s'agit de Marc Bourraguet. 3 des 4 prostituées figurant dans le dossier sont passées par la protection de l'enfance, l'Oustral, le foyer Pargaminière et Sauvegarde 31, qui a aussi pris en charge la fille d'Allègre et les enfants de Fanny. Laurence a fugué à 13 ans du foyer Pargaminière et s'est retrouvée entre les mains de Messaouden et du policier Z. Elle veut s'en sortir, va voir le directeur de l'Oustral, Jean-François Curval, qui contacte à ce sujet son ami magistrat au parquet financier de Toulouse, c'est-à-dire Marc Bourraguet. Laurence a aussi parlé à la police des polices qui n'a rien fait. Z a été muté à Blagnac, mais n'a eu aucune sanction. En 2003, on constate que le dossier judiciaire de Messaouden a disparu des archives. En 1992, il avait déjà eu une procédure pour proxénétisme aggravé. Il a nié connaître Allègre et les prostituées qu'il accuse. Pourtant, au moins 2 d'entre elles figurent déjà dans la procédure de 92 et étaient mineures. À cette époque, Messaouden disait qu'il travaillait dans les produits pharmaceutiques pour Bodis. En 95, Messaouden a été expulsé de France, comme nous le savons. Il a montré un passeport qui prouverait son innocence pour le meurtre de Galbardi. Selon Patricia, Allègre avait 16 entrées au commissariat. 3 inspecteurs de la brigade des mœurs de l'époque, dont l'un est toujours en activité, ont touché des enveloppes en échange de leur protection. Patricia a avoué avoir mis des mineurs sur le trottoir. On ne s'est jamais occupé de les retrouver, et encore moins leurs clients. Elle a aussi parlé de racket des prostituées par les flics, sans que rien n'ait été fait pour que cela change. Selon Roussel, je cite, « En 1995, alors que Patrice Allègre est hébergé chez un ami, une mineure du voisinage remarque plusieurs matins de suite qu'un individu la suit lentement sur le chemin du lycée ou s'embusque dans une 205 blanche. Son père décide de piéger seul l'individu qui menace sa fille. Un matin, il a suivi sa fille directement et dès qu'il a vu la voiture, il s'est précipité sur le capot. À travers le pare-brise, il a distinctement discerné le visage du conducteur qui a immédiatement démarré en trombe, le jetant du même coup à terre. Des années plus tard, le père de l'adolescente, lorsque nous lui avons présenté les photos de Patrice Allègre, a été formel. » L'écoute téléphonique judiciaire du 7 novembre 1996 à 21h14 enregistre la conversation d'Anita Bremark, plus tard condamnée pour proxénétisme, et d'une prostituée de son réseau parisien démantelé, Wafa, 37 ans en 2003, domiciliée à Paris, orthographiée Wafa sur les écoutes. Elle parle de Dominique Bodis comme d'un client sûr de Toulouse qui monte une fois par semaine ou tous les 15 jours.
Comme par hasard, les flics n'ont jamais retrouvé la dénommée Wafa que le juge Nguyen voulait auditionner car elle se trouvait dans une autre ville. En février 2002, Allègre est condamnée pour 5 meurtres et 6 viols. Puis Fanny et Patricia, qui avaient fui la région de Toulouse après le meurtre de Lynn Galbaldi, sont mises en confiance par Roussel et elles parlent des soirées toulousaines. La deuxième affaire commence donc, impliquant des notables comme Baudis. Le 22 février 2003, Pierre Roche, président de la cour d'appel de Montpellier et ancien magistrat de Toulouse, est suicidé. Juste avant, il a parlé à ses enfants des soirées sado-maso de notables et magistrats toulousains, ainsi que de leurs arrangements avec la justice. Il est incinéré contre sa volonté très rapidement après sa mort. Le 15 avril 2003, le procureur Bréard ouvre une information judiciaire contre Patrice Allègre et tous les autres. Pour proxénétisme en bande organisée, viol, viol en réunion, viol par majeur ayant autorité sur mineur, acte de torture et de barbarie. L'enquête est divisée en deux. Les patrons de la section de recherche de Toulouse écartent de la partie consacrée aux notables, confiée aux juges Thierry Périquet et Nicole Bergougnon. Roussel, qui sous la direction du juge Serge Lemoine, ne se consacrera plus qu'aux 23 meurtres imputés à Allègre. La hiérarchie de la gendarmerie reprochait à Roussel d'avoir acté sur procès-verbal les noms qui dérangent et de ne pas avoir tamisé les audiences, ce qui est pourtant illégal. Le 12 mai 2003, une nouvelle équipe d'enquêteurs est nommée autour de l'adjudant-chef Patrick Mouret qui vient de la cellule homicide 31. Le 14 mai, on dit que Patricia est une affabulatrice. Le 13 mai, Patricia et Fanny se rendent à la brigade d'Artix dans les Pyrénées-Orientales et accusent Baudis, Douste Blasi et André Labarrère d'être impliqués dans une affaire de pédophilie. Elle précise que des séances sadomaso allant jusqu'à la mort étaient filmées. La petite Marion Wagon serait enterrée avec d'autres corps dans 12 mètres de béton sous l'autoroute. En faisant ces révélations, Patricia est terrorisée. C'est aussi en mai 2003 que Henri Masse, ancien propriétaire de la maison de Noé, disparaît. Le 18 mai, Baudis fait son show sur France 2 et révèle être accusé par des prostituées. Le 22 mai 2003, VSD révèle l'écoute téléphonique judiciaire de Wafa qui parle de Baudis comme d'un client régulier à Paris. Pourtant, Baudis dit, je cite, « Quand on est mère, tout est noté, consigné. Tous les soirs, j'étais chez moi avec ma famille. » Avant même que leur nom ne soit cité publiquement, Dominique Baudis, Marc Bourraguet, un ancien substitut du procureur de la République de Toulouse, Jean Wolff, ex-procureur général de la cour d'appel ou encore Jean-Jacques Ignacio, avocat général, ont choisi de prendre les devants pour se défendre et clamer leur innocence. Note de la gendarmerie remise au ministère de l'Intérieur le 21 mai par la Direction générale de la gendarmerie nationale et publiée dimanche dans Le Monde qui soulignait que les éléments matériels décrits par les témoins n'ont pas été découverts et estimait que les témoignages de Fanny et Patricia apparaissent pour l'instant d'une crédibilité douteuse. Cette note blanchit aussi Baudis et les notables et dit que rien ne prouve les liens avec Allègre. Le syndicat de la magistrature avait demandé le dépaysement du dossier, mais les avocats de plusieurs intervenants ont refusé. Barrault a aussi refusé selon Perben. Entendu par le juge le 22 mai 2003, Fanny dit que, je cite, « Des policiers venaient la chercher comme un dû dans son studio pour l'emmener le soir, au palais de justice, à des magistrats qui la prenaient de force dans les bureaux. » Sur les photos montrées par les gendarmes, elle reconnaît sans hésiter 5 magistrats et montre sur le plan les bureaux qui correspondent bien à ces deux hommes-là, à ceux de ces hommes. Il s'agit de 3 magistrats de la cour d'appel, un président de chambre correctionnelle et de substitut du procureur nommé Marcus. Marc Bourraguet donc. Elle dit avoir été emmenée dans une belle demeure près du casino de Salis de Sala, en présence du surnommé Nénette, Dominique Baudis. Elle a raconté 2 scènes de viol.
Le premier vol se serait passé dans une chambre d'un grand hôtel, place du Capitole. Trois magistrats, connus et déjà cités, auraient sodomisé Fanny pendant que l'un l'attrapait par les cheveux et que l'autre la brûlait avec des cigarettes. L'autre scène se serait déroulée dans un parking où des policiers l'auraient violée. Fanny a aussi raconté que M. Périquet, les pressions évoquées devant le juge Lemoine le 3 mars, qui auraient été exercées sur elle pour qu'elle désigne des visages au hasard si les gendarmes lui montraient des photos de magistrats. C'est le flic Ziegler qui lui aurait poussé à le faire. Aucun des magistrats et policiers mis en cause n'a été entendu par le juge, par les juges. Le garde des Sceaux a annoncé jeudi 22 mai avoir demandé l'ouverture d'une enquête sur les conditions dans lesquelles les secrets de l'instruction est ou non respecté par les différents acteurs de la justice dans l'affaire Allègre. Enquête confiée à Barrault, nommé la veille par le Conseil des ministres en tant que nouveau procureur général à Toulouse. Et c'est le début du recadrage du dossier. Quelques jours plus tard, Jamel se retracte et est mis en examen pour dénonciation de crimes imaginaires. Le 28 mai 2003, Perben annonce que Jean Wolff est démis de ses fonctions pour n'avoir pas investi la chancellerie, averti la chancellerie et le garde des Sceaux, des éléments qui étaient à sa disposition. Il le remplace par le procureur de la République de Créteil, Michel Barrault, donc surnommé l'effaceur, qui avait méticuleusement déminé l'affaire des HLM de Paris qui concernait les magouilles de Chirac. Le même jour, Baudis demande sa mise en examen. Le 29 mai, le ministre de la Justice, Dominique Perben, donc, déclenche une enquête sur les violations du secret de l'instruction. Le 4 juin 2003, un conseiller municipal de Toulouse, Xavier Echenne, dit que Baudis est bien allé dans les soirées spéciales. Il est viré moins de 2 semaines plus tard par Douste Blasi, alors maire de Toulouse, à la demande de Baudis. Echenne a été balancé par une ophtalmologue de la clinique où il travaillait. En juin 2003, Laurent Nion, juge d'instruction qui a émis des doutes sur Bourraguet auprès de sa hiérarchie. Il a eu le droit à 2 inspections du ministère de la Justice. Michel Roussel demande à partir à la retraite. Le lendemain de son départ, le système de surveillance électronique mis en place en mai 2003 par le GIGN pour Fanny et Patricia est arrêté. Le 20 juin 2003, Patricia est mise en examen pour complicité de faux témoignages en ayant manipulé Jamel, qu'elle aurait connu depuis des mois et hébergé, et elle est incarcérée. Il avait notamment expliqué comment il avait participé sur recrutement par Allègre et avec des personnalités à des parties sadomasochistes au château d'Arbas, propriété aujourd'hui du service social de la mairie de Toulouse. Le même jour, l'Akhdar Messaouden revient d'Alger et se rend à la justice. Il avait été arrêté et écroué pour proxénétisme en 92, mais moins d'un mois après le meurtre de Lynn Galbaldi, avant d'être expulsé en Algérie après avoir purgé sa peine. Il est aussi désigné par Patricia et Fanny comme l'organisateur, aux côtés de Patrice Allègre, des soirées sado-masochistes auxquelles auraient participé des magistrats, des policiers et des notables toulousains. Le 23 juin, Messaouden est mis en examen pour complicité d'assassinat de Lynn Galbaldi avec Allègre. Le 23 juin 2003, Jean Wolff, malgré sa faute professionnelle, est nommé à un poste plus important, avocat général à la Cour de cassation sur décret de Chirac. Le 1er juillet, il nie toutes les accusations portées contre lui dans le Figaro. Fanny aurait quitté Toulouse en 92. Et Wolff n'y serait arrivé qu'en 94. Il n'aurait donc pas assisté aux soirées SM. Le 25 juin, Patricia est placée en détention provisoire, notamment, dit-on, pour des raisons de sécurité. Jamel aussi a été envoyé en tôle pour témoignage mensonger. Les seuls à avoir été emprisonnés sont ceux qui se disaient victimes. De l'autre côté, les accusés se sont portés partie civile. On peut s'étonner de ces constitutions de partie civile alors que ces personnes n'étaient pas dénoncées publiquement et que les faux témoignages étaient théoriquement
couvert par le secret de l'instruction, a noté un avocat. Le 27 juin, Allègre se rétracte dans une lettre au procureur Barreau par rapport à sa lettre à Carl Zéro. En juillet 2003, Jean-Jacques Ignacio demande le renvoi de Messaouden en correctionnel et pas aux assises pour les dossiers Fanny et Magali. L'affaire de viol n'a pas été reconnue par la justice, ni les violences physiques. En parallèle, on refuse à Patricia et Fanny de se porter partie civile pour les violences qu'elles ont subies lors du meurtre de Lynn Galbardi, alors que ceux qu'elles accusent ont pu le faire. Arnaud Montebourg a laissé entendre qu'il y avait des pressions du pouvoir exécutif sur la justice. Le 2 juillet, la presse annonce que André Merac, 58 ans, proprio de plusieurs établissements de nuit à Toulouse, veut être entendu par les juges chargés de l'affaire. Cela dans un souci de clarté et pour sa sécurité. Merac détenait des milliers de photos et vidéos concernant les soirées SM de Toulouse au début des années 90. Il s'agirait de photos accablantes. Selon Merac, ces photos ne concernaient pas directement les acteurs supposés de l'affaire Allègre, même s'il laisse entendre qu'y figurent des personnes qui ont depuis connu de beaux itinéraires professionnels ou électifs dans la ville. Quelles sont les garanties qui ont été offertes à Messaouden qui risque gros s'il est reconnu coupable de ce qui lui est reproché? Selon certaines informations, une nouvelle stratégie a été mise au point pour tous ceux qu'inquiète la résurgence du rôle de Patrice Allègre. Elle consisterait plutôt qu'à nier, à faire dire par certains témoins des énormités qui discréditeraient l'enquête tout entière. Le 17 septembre 2003, Fanny revient sur ses accusations de viol concernant Dominique Baudis. En septembre 2003, Magali porte plainte contre l'État pour faute lourde. Elle était mineure et la justice n'en a pas tenu compte. Elle a été victime de deux viols en novembre 1991. Elle a des cicatrices, des marques de brûlure de cigarettes au niveau des seins, des marques aux avant-bras typiques des pratiques SM. L'Agdar Messaouden est libéré à la mi-octobre 2003 suite aux rétractations de Fanny qui a dit qu'il n'était pas là lors du meurtre de Lynn Galbardi. En février 2004, Patricia refuse de revoir le juge Périquet, qui veut selon elle enterrer le dossier et la traite comme une coupable. Elle quitte la confrontation avec Fanny. De fait, il voulait la mettre en examen, mais le parquet s'y est opposé, rappelant qu'il fallait instruire à charge et à décharge. Le Figaro du 19 juin 2003 parle du « vrai-faux dessaisissement » de Nicole Bergougnon. Je cite. « Au palais de justice de Toulouse, on soulignait la mésentente entre Nicole Bergougnon et Thierry Périquet qui, de concert, instruisent le volet sadomasochiste de cette affaire. Les plus retors croyaient te savoir que, tandis que Nicole Bergougnon cherchait à avancer, Thierry Périquet avait, lui, le pied sur le frein. Au plus fort de la rumeur est même tombée une dépêche AFP, dûment certifiée par une source judiciaire, annonçant le remplacement de Nicole Bourguignon par Jean-Claude Vaucheret. Puis, venant de Toulouse, le vent de la rumeur a peu à peu changé de camp, et la chancellerie a finalement officialisé que la juge Bourguignon gardait l'affaire Allègre. En juin 2003, a eu lieu la confrontation Patrice Baudis. L'avocat de Patricia dénonce le comportement du juge Périquet et parle de demander sa révocation. En juillet 2004, Laurence, une des prostituées, explique qu'elle a été frappée au visage quelques jours plus tôt par Messaouden, ce qui lui a valu 2 points de suture. Les faits se sont produits lors d'un dîner organisé par une connaissance commune. Les coups aurait été porté à la suite d'une discussion animée portant sur les liens présumés existant entre le proxénète et le tueur en série. Des liens que Laurence affirme bien connaître pour avoir fréquenté les deux hommes au début des années 90 sur les trottoirs du quartier Matabio, explique la dépêche du 22 juillet 2004. Laurence, de son côté, a fait constater ses blessures par un médecin et entend porter plainte malgré l'accueil indifférent de la cellule de la gendarmerie, homicide 31, où on l'a simplement incité à s'adresser à son commissariat de quartier. Autre incongruité de la situation, ces dernières semaines, l'Agdar et Laurence ont
aux intérêts pourtant antinomiques, partageait le même avocat, Maître Kamel Benamgar. Ce n'est plus le cas. Dans l'affaire Allègre, Laurence est d'abord celle qui a mis directement en cause un policier de l'ancienne brigade des mœurs. Elle dit qu'il avait négocié ses charmes en échange de l'indulgence pour son souteneur. Ce policier n'a toujours pas été entendu. Le 11 juillet 2005, non-lieu général confirmé par la chambre d'instruction de Toulouse dans l'affaire des notables et du réseau de prostitution. Le 20 juillet 2005, Patricia et Fanny sont condamnées à 3 ans de prison ferme et 5 ans de privation de droits civiques dans le volet Jamel de l'affaire, alors que Fanny n'a jamais rencontré Jamel qu'elle ne connaît pas. En février 2007, un reportage de France 3 donne la parole à différents témoins du milieu de la nuit toulousaine qui déclarent que le successeur de Roussel à la tête de la cellule 31, Jean-Pierre Nicolaon, traîne dans ce milieu la nuit. Oui. Les propos de ces témoins sont corroborés par une ancienne procureure de Toulouse, Madame Vignon, Rabastan, qui estime que ses activités sont peu compatibles avec ses fonctions. Le successeur de Roussel, a poursuivi le journaliste et les témoins pour diffamation et tous ont été relaxés. Hop. Le journaliste Olivier Bonnet a aussi remporté une procédure intentée contre lui par Bourraguet pour injure envers un fonctionnaire public. Bonnet a été relaxé par la 17e chambre correctionnelle à Paris. En juillet 2008, Allègre reçoit des ordonnances de non-lieu pour 3 des meurtres dont il était suspecté et un viol avec arme. Le meurtre de Josette Legoy, Josette Poiroux, Patricia Gélis et le viol de Françoise D. Le 26 mars 2009, Fanny et Patricia prennent 3 ans de sursis pour dénonciation calomnieuse. Les derniers non-lieux pour des crimes non élucidés sont rendus durant l'été 2010 et en septembre 2010 par Jean-Dominique Panzani de la cour d'appel de Toulouse. Selon plusieurs témoins, la cocaïne coulait à flot lors de ces soirées, notamment à la maison Noé. Peu avant d'être suicidé, Jamel, ou Pierre-Olivier Puys de son vrai nom, a écrit au juge d'instruction qu'il a été forcé par les gendarmes à signer des déclarations disant qu'il avait été manipulé pour accuser les notables. Il avait aussi dit avoir assisté à la mise à mort d'adultes et d'enfants, dont la petite Marion Wagon, qu'il était chargé de filmer. Il est mort juste avant de revoir le juge. Dans sa lettre à Carl Zéro, Allègre affirme que ce sont Baudis et Bourraguet les commanditaires. Fanny a subi des pressions pour qu'elle accuse Jean Wolf. Ainsi, on a jeté le bébé avec l'eau du bain et toutes ses déclarations ont été décrédibilisées, surtout celles concernant Baudis. Elle a aussi été obligée de se rétracter concernant Baudis. Je cite. « Lors d'une confrontation, j'ai dû me rétracter car je ne dispose d'aucune preuve matérielle contre lui. Je n'avais pas les moyens d'argumenter, je n'avais pas le choix. Épuisée, sous tranquillisant, je ne pouvais m'opposer à des gens aussi puissants, dit-elle. » Jugement en faveur de l'assaut Stop à l'oubli, condamnation de Baudis pour diffamation contre Michel Roussel, le chef de la cellule homicide 31. Je cite. Attendu qu'afin de traiter ce second volet de l'affaire Allègre impliquant des notables, la hiérarchie de la gendarmerie a décidé de réorganiser la cellule homicide 31 en confiant ce volet à une nouvelle équipe d'enquêteurs dirigée par l'adjudant-chef Patrick Mouret. Baudis avait dit que Roussel serait un naïf et n'aurait pas vérifié les propos des prostituées, qu'il était complaisant, qu'il les avait orientées dans leurs réponses et qu'il avait enfreint la procédure. Je cite. On pouvait par ailleurs difficilement reprocher à Michel Roussel de n'avoir effectué aucune vérification, alors que sa hiérarchie l'avait dessaisi de l'enquête avant qu'il ne puisse lui-même y procéder. En plus, Baudis avait accès au dossier entier, mais n'a fait que se baser sur des articles de presse. Gabriel Loubradou a dit, je cite, « Tant que Patrice Allègre apparaissait comme un tueur psychopathe, cela ne posait de problème à personne. Mais à plusieurs reprises, il tue sur ordre. Il y a des commanditaires qui sont manifestement protégés.
différents trafics apparaissent en arrière-plan. Chercher plus loin, ce serait prendre le risque de révéler des liaisons dangereuses. Alors, notre personnage clé, c'est Patrice Allègre. Parlons un petit peu plus de ce personnage. Alors, Patrice Allègre est né le 20 juin 1968 à Toulouse. Il est le fils de Roland Allègre, releveur de compteur d'eau à Toulouse, qui deviendra CRS lorsque Patrice aura 6 ans. Dépeint comme souvent absent et très violent. Et de Michèle Salvi, coiffeuse, qui multiplie les aventures quand son cher mari n'est pas là. Aventures et liaisons sexuelles qu'elle fait voir à son fils, dont Patrice Allègre est parfois le témoin. Celui-ci n'est pas un enfant désiré, sa mère n'a que 17 ans à sa naissance, contrairement à son frère né 7 ans plus tard. Donc ses parents s'installent dans le quartier des Isards à Toulouse et sont en conflit perpétuel. Patrice Allègre, l'enfant a l'habitude de s'interposer pour défendre sa mère, qui est souvent battue, et qu'il idéalise. Et lui aussi a le droit régulièrement de subir les coups de son père violent. En 77, la famille déménage à Saint-Geniès-Bellevue. Les épisodes de violence se poursuivent jusqu'à ce que Patrice Allègre, âgé de 13 ans, menace son père de le tuer. Il fugue de plus en plus à cette époque, passant beaucoup de temps à traîner dans la rue. Après son arrestation, il confiera au psychiatre avoir été violé un soir de fugue par deux hommes lui ayant proposé de la drogue. Rejeté par ses parents et vivant une scolarité difficile, renvoyé de 3 collèges d'enseignement secondaire, il est inscrit dans une filière de mécanique générale et confié à sa grand-mère paternelle. De retour dans le quartier des Isards, il quitte l'école en 4e et tombe dans la délinquance, le viol et le trafic de drogue, devenant ainsi un petit truand. Son père brigadier essaie de gommer ses délits à répétition. Et il va commettre sa première agression sexuelle à l'âge de 16 ans. Ses parents se séparent en 87. Allègre vit alors du trafic de drogue et de petits boulots dans le monde de la nuit, tels que videur, disc jockey ou barman. Il finit par être engagé comme barman à la cafétéria du commissariat de police, puis au buffet de la gare de Toulouse, repérant ses proies dans le quartier de la gare. Valérie Tariot, sa première victime, assassinée le 21 février 89, était serveuse dans le même café. Ce prédateur urbain, selon l'expression des psychiatres qui l'ont expertisé, les séduit ces jeunes femmes qu'il a repérées, mais si elles ne lui cèdent pas, eh bien, il les viole, les étrangle et les déshabille, ne leur laissant que leurs chaussettes. En janvier 88, il rencontre Cécile Chambert, fonctionnaire d'origine bourgeoise. Ils ont une fille, Anaïs, née le 23 juillet 89. Pendant 7 ans, ils vivent une relation houleuse qui reproduit les scènes de ménage des parents de Patrice Allègre. En 94, il passe 8 mois de prison pour coups et blessures volontaires. Le 16 février 95, après une nouvelle dispute conjugale durant laquelle Allègre a tout cassé dans la chambre et a jeté la petite contre le mur, sa femme obtient de la police qu'il quitte leur appartement. Il s'installera donc chez sa maîtresse Sylvie Prouillac, gérante de la discothèque Planète Rock à Toulouse. Il s'y fait embaucher comme videur, mais elle le renvoie à cause des nombreuses bagarres qui lui font perdre de la clientèle. Voici un petit peu pour son parcours. Donc son père fait jouer ses relations pour lui éviter la prison à plusieurs reprises. Et on voit qu'en 85, très jeune, il tente pour la première fois d'étrangler sa copine. Dealer et portier de boîte, violeur en série. Cette année-là, donc en 85, il est arrêté en avril pour le vol de mobylette. Ses empreintes digitales sont relevées. C'est aussi en 85 qu'il commence à avoir des relations avec un travesti. Par la suite, il le revoit régulièrement ainsi que d'autres travestis. Donc grâce à son père qui le sort toujours d'affaires grâce à ses relations, il trouve un job de barman au commissariat de Toulouse. En 89, sa compagne, Cécile, a une fille, donc Anaïs, et sa maîtresse, Sylvie Prouillac, gérante de boîte de nuit.
Il est à noter que ses deux parents ne sont jamais venus le voir en prison. Il a avoué ne s'être arrêté de tuer que pendant 2 ans. En 94, il casse la mâchoire de Cécile, sa compagne, et c'est là qu'elle obtient donc qu'il soit retiré du domicile conjugal. En 97, Sylvie Pouillac, avec qui il vit depuis mai 95 et qu'il connaît depuis 92, le quitte en lui interdisant l'accès à la boîte de nuit qu'elle gère, Planète Rock. Elle tente de rentrer chez elle sans lui, mais il la rattrape et lui fait une scène très violente avec coups et menaces de mort dans la rue. La police intervient. En 97, un commandant de police fait une enquête discrète pour tenter d'expliquer le comportement de certains policiers vis-à-vis d'Allègre. Il retrouve les pièces de cette altercation et découvre que la police sait parfaitement à qui elle a affaire avec Allègre et surtout qu'il est fiché comme violent et comme voleur. Quand il part de chez elle, il lui prend ses cartes bancaires. Lors de sa fuite en mars 97, Allègre est à Aubenas chez son ancien amant médecin. Déçu, il quitte Aubenas, le médecin ne pouvant lui faire des casses. Ce médecin est soupçonné d'avoir été le formateur d'Allègre au trafic d'objets anciens, selon Roussel. D'après un de ses co-détenus, je cite, il connaissait ainsi aussi du monde dans le grand banditisme. On a trouvé beaucoup de personnes qu'on connaissait ensemble, des gens qui sont aujourd'hui arrêtés et des gens qui sont en liberté. C'était quelqu'un de connu dans le milieu. Il était quelqu'un de correct. C'est pour ça qu'il a du mal à être une balance. Je sais que Patrice Allègre connaît aussi le secteur de Sète et surtout le Cap d'Agde pendant la période estivale. Il y a beaucoup de monde interlope qui travaille là-bas, avec les casinos, l'échangisme, le camp de naturisme le plus grand d'Europe. Moi aussi, je suis allée dans le secteur à cette période. On en a parlé. Allègre a plusieurs fois fait bodyguard pour les bars américains de Toulouse. Moi, j'y vendais de l'alcool. Ça a été un temps mon emploi. Je connais le fonctionnement d'un bar américain. L'un des bars où il travaillait sur le bord de la Garonne, dans une petite ruelle, a pris feu. C'était un feu criminel. Il connaissait bien ce monde dans la nuit, de la nuit et des bars américains. Le truc que je sais, c'est qu'il procurait de la bonne cocaïne pour tout le monde. Il jouait l'intermédiaire. Il achetait moins cher. Il revendait plus cher pour ces gens-là. Il fréquentait le Shanghai. Il y était connu aussi. Vous savez, quelqu'un qui a une bonne coke, il se balade dans tous les bars où on le connaît, où il fixe ses rendez-vous. Dans la même soirée, il pouvait passer dans 3, 4, 5 bars. J'ai pas de nom, mais il me disait que beaucoup de monde, par exemple, des hauts fonctionnaires, venaient dans les bars américains pour savourer du sexe. Beaucoup de monde aussi qui cherchait de la cocaïne de bonne qualité, et lui, il avait des contacts pour la drogue. Je suis persuadée qu'il a été un intermédiaire, mais il n'était pas le seul à procurer des drogues, des filles, dans des soirées un peu spéciales qui existaient à Toulouse. Il y avait une demande de filles pour des soirées sadomasochistes. Il connaissait du monde pour faire ce boulot, et ça rapporte aussi de l'argent, il en avait besoin. Il connaissait des gens bien, pas ceux qui fréquentent les bars américains et ces gens qui avaient du sexe un peu hors du commun, du sadomasochisme, des homosexuels aussi. Il m'en a parlé dans des conversations où il essaie de me faire comprendre que tout le monde peut basculer, comme lui a basculé. Quand on a un goût pour le sadomasochisme, par exemple, on peut basculer parce que tous les jours, on veut passer à quelque chose de plus fort. Ça suffit pas de taper. Il faut faire un peu plus. Un jour, il m'a dit, je cite, si je parle beaucoup, de grosses têtes vont tomber. Je suis persuadée qu'il sait beaucoup de choses sur beaucoup de monde. Ce qu'il pouvait sentir quand il couchait avec une fille qu'il violait et qu'il tuait, il ne pouvait pas le ressentir avec une fille avec qui il couchait normalement. Et ça, périodiquement, ça lui manquait. Ça lui donnait à nouveau l'envie de goûter à cette espèce d'extase que lui procurait le mélange de drogue et de tout le reste. Parce qu'il m'a expliqué qu'au moment où il commettait ses crimes, il prenait une espèce de cocktail Molotov de différentes drogues. De la cocaïne, mais aussi de l'ecstasy, du haschich, de l'alcool. Il avait envie d'arrêter, mais c'était plus fort que lui. Après une période, il avait un manque. Il fallait qu'il le fasse encore une fois. Il ne m'a pas dit s'il a commis d'autres crimes. Il m'a expliqué que les enquêteurs cherchaient à lui mettre sur le dos beaucoup de crimes non résolus qu'il n'a pas commis.
D'après Patricia, Allègre était lié au clan Perletot dans le Var. L'été 91, Patricia s'est prostituée dans un bar de Saint-Laurent-du-Var, grâce à Franck Perletot, sur recommandation d'Allègre. D'autres témoignages corroborent ces affirmations. Perletot était l'un des adjoints de Francis le Belge, tué en 2000. Or, l'avocat de Fanny, en 2003, n'était autre que le ténor varois Jean-Claude Guidicelli, a été l'avocat de Franck Perletot ou encore l'un des assassinats de Yann Pia. Vu les finances exsangues de Fanny et que les ténors ne prennent pas l'aide juridictionnelle, pardon, on se demande pourquoi Guidicelli a accepté de travailler presque gratos. À ce moment, Allègre s'est trouvé en tôle avec un des bras droits de Perletot. Et c'est là qu'il s'est isolé totalement et s'est rétracté. Mihiers aurait conseillé à Allègre, qui en principe était au secret, de changer sa stratégie de défense. C'est lui qui a suggéré de prendre Collard comme avocat. Mais Collard n'a jamais été l'avocat de Mihiers, contrairement à ce qu'a dit Collard. Le 17 juin, Allègre écrit à Collard, donc. Le lendemain, c'est au tour du nouveau procureur général de la cour d'appel de Toulouse, Michel Barrault, de recevoir un courrier signé Patrice Allègre. La dépêche du Midi révèle l'existence de cette correspondance, d'abord démentie par Michel Barrault, puis confirmée le 19 juin. Entre-temps, la lettre est partie pour avis à la chancellerie. Plus surprenant, le tueur en série, qui affiche un niveau scolaire pour le moins modeste et de grosses lacunes en orthographe, cite au passage, selon la dépêche, un extrait de L'homme révolté de Camus, l'écrivain préféré de Raymond Mihiers. C'est après l'arrivée de Guidicelli que Fanny a déclaré n'avoir jamais rencontré Baudis. Bourraguet était ami avec le procureur Cubiec, camarade de promotion de Pierre Roche. Selon les enfants Roche, tous les magistrats cités dans l'affaire Allègre se connaissaient très bien et étaient aussi proches de Pierre Roche, donc Wolf et Ignatio. Concernant Marc Bourraguet, membre fondateur de la Sauvegarde 31, l'association qui a eu en charge le placement de Fanny, puis celui de ses enfants, ainsi que de plusieurs jeunes prostituées prises dans le milieu toulousain. Entré au palais de justice de Toulouse en 1989 jusqu'en 1992, quand il part à Montauban comme procureur adjoint. Il représentait le ministère public au tribunal de commerce de Toulouse. C'est à cette époque que Guigou lance une inspection générale des services au TGI et Bourraguet est dans la ligne de mire. En 1991, Allègre a pris l'apéro chez lui en compagnie de Gilles Bivy. Bourraguet dit qu'il a coupé les ponts avec Bivy en 97. Différents PV attestent que plusieurs témoins, à des moments différents, les ont vus ensemble. Au relais de Fonbeauzard, anciennement le Mariel. Sur PV du 10-08-2004, MP, propriétaire du relais de Fonbeauzard, dit avoir vu à la même table Allègre, Bivy et Bourraguet, et notamment lors d'une fête du Beaujolais Nouveau. Sur PV du 19 août, DM, client du Mariel, se souvient avoir vu Bourraguet au comptoir avec Patrice et ajoute: ce sont des gens qui donnaient l'impression de bien se connaître. Riyad Kouka, ancien restaurateur, affirme avoir surpris des visites d'Allègre au domicile de Bourraguet. De plus, le patron de Fanny, quand elle travaillait au restaurant La Venise, un certain Kouka, a affirmé au juge qu'il avait vu Fanny en compagnie de Bourraguet, selon le rapport Bréard. Au début des années 90, un policier municipal a verbalisé la voiture de Bourraguet devant une maison de Launaguet lors d'une réunion de truands. Je cite: les gendarmes de la section de recherche m'avaient dit que ces individus étaient des braqueurs et que parmi eux se trouvait un nommé Gilles Bivy. En 96, il a failli passer en correctionnel pour avoir fait faire des travaux au noir chez lui pour la Sautram à laquelle le fisc s'intéressait. La Sautram était alors dirigée par l'ancien trésorier de Sauvegarde 31. Le dossier a été classé sans suite.
plus l'affaire des travaux chez Bourraguet par la Cofitech vers 90-91. Le rapport Bréard révèle aussi les marchandages autour de la discothèque Le Saint-Georges et la licence 4 de cet établissement, apportée par M. T, un ami de Bourraguet, membre lui aussi de la Sauvegarde 31. En 98, à propos de l'affaire Escoulan, grande firme toulousaine, le juge d'instruction Laurent Niou reproche à sa greffière de communiquer des pièces Bourraguet qu'il n'a aucune fonction officielle. Et l'IGSJ enquête. Bourraguet finit par avoir une promotion. En janvier 2001, une lettre anonyme arrive au cabinet du juge Nyon, le dénonce comme étant au centre d'un pacte de corruption impliquant Jean-Marcel Lavergne, un administrateur judiciaire de premier plan, mis en examen et incarcéré en novembre 2000. Il s'agissait du redressement judiciaire de la société Escoulan, basée à Tournefeuille, près de Toulouse, une grosse entreprise de distribution régionale qui a déposé son bilan en 1992. Des accusations graves qui n'ont jamais été vérifiées. Les anciens présidents du tribunal de commerce ont pointé un certain nombre de procédures dans lesquelles la position de Marc Bourraguet en tant que substitut chargé des affaires financières pose problème. La SARL Sofabat, le Cristal où Allègre aurait été employé comme portier, la SARL Scaravetti, la SARL Les Compagnons, dont le siège est au restaurant Le Belvédère. Il confirme que Bourraguet avait table ouverte dans ce restaurant, propriété d'AF. Or, les sociétés d'AF, qui étaient en redressement judiciaire, ont fait l'objet d'une ordonnance de dépaysement au tribunal de Montauban, où Bourraguet est vice-procureur depuis 2002. Fanny a dit qu'elle a été sa maîtresse quand elle était encore mineure, et qu'elle lui a volé des vidéos compromettantes. Elle les aurait cachées en compagnie de Claude Martinez, un autre travesti de la région de Biarritz. Bourraguet aurait cherché à racheter ses vidéos. Il y a aussi un témoignage particulier, celui d'une prostituée appelée Marie Tiblemont, qui a déclaré sur PV que Bourraguet avait des demandes spéciales, comme se faire uriner dans la bouche. Mais cette femme était aussi, semble-t-il, membre du comité de soutien à Dominique Baudis. Pourtant, son témoignage est diffusé dans Paris Match. Alors qu'il était substitut au parquet financier, il s'est rendu sur les lieux du meurtre d'Edith Schléchard et de Lynn Galbardi avant l'arrivée de la police. En juillet 2007, Bourraguet n'avait encore été entendu que comme une victime, jamais comme témoin ou coupable. Il a dit qu'on s'en prenait à lui car il avait attaqué des francs-maçons. Oups. Sous-entendant qu'il n'en est pas un. Eh oui. Dans son rapport, essentiellement tourné sur le cas Bourraguet, l'auteur s'étonne que Bourraguet ait instruit lui-même un dossier pénal le concernant sans que cela ne pose problème au parquet de Toulouse. Penchons-nous à présent sur Dominique Baudis. Dominique Baudis, ancien député maire de Toulouse et président du CSA au moment de l'affaire. Il est aussi le fils d'un ancien maire de Toulouse. Maire de Toulouse lui-même, de 1982 à 2001, élu à chaque fois au premier tour avec 56% des voix. C'est Douste Blasi, dont il était le parrain politique, qui lui succède avant d'aller au gouvernement. Ces agendas n'ont jamais été saisis par les juges malgré plusieurs demandes en ce sens. Il a fait surveiller Doust de très près en réclamant qu'il le soutienne de manière ostensible. Il lui reprochait aussi de ne pas l'avoir informé de sa mise en cause dans l'affaire Allègre. Selon Baudis, Doust et quelques autres propageaient des rumeurs à son sujet via la Dépêche du Midi. Et tout cela n'est qu'une cabale orchestrée parce que Baudis, président du CSA, s'en était pris à la pornographie à la télé, lui qui rentre chez lui tous les soirs pour rester avec sa tendre épouse. Il y avait en revanche un groupe pro-Baudis autour du député Jean Diebold. D'après Patricia, il se faisait surnommer Nénette.
lors des séances sadomaso, dont une s'est déroulée à l'hôtel de l'Europe et une autre chez Messaouden. Nénette, comme c'est mignon. On apprend grâce à des indiscrétions que de mystérieuses réunions tenues entre Barreau et Père Ben ont permis de mettre au point une tactique. Il faut d'abord combattre les fuites judiciaires de manière à arrêter l'hémorragie. Puis, mais c'est au conditionnel, il faut décrédibiliser les témoignages des anciennes prostituées. Cela a d'ailleurs commencé avec la rancobolesque attaque de Baudis contre l'industrie du porno. Deuxième volet, affirmer que ces pauvres filles ne sont en définitive que des prostituées. Eh bien oui, et merci au passage pour l'égalité des citoyens. On se demande d'ailleurs à Toulouse qui a bien pu égayer le travesti Jamel, témoin totalement improbable vers les caméras de TF1. Au sujet de sa nomination, de la nomination de Baudis au CSA, l'association Stop à l'oubli se disait scandalisée et a écrit, je cite, « Ce que nous lui reprochons avant tout, ce sont ses mensonges lors de son intervention télévisée du 18 mai 2003, lorsqu'il a expliqué n'avoir jamais eu de lien avec le milieu du proxénétisme et de la prostitution. Or, ses propos ont été démentis par des écoutes téléphoniques parfaitement légales, puisque exécutées à la demande de la justice dans une affaire de proxénétisme qui n'avait rien à voir avec l'affaire Allègre et révélée par l'hebdomadaire VSD le 22 mai 2003 sous le titre « Le document qui dérange ». Il est en effet incroyable que les autorités aient hésité entre Dominique Baudis et Jack Lang à occuper ce poste. Cela montre en tout cas dans quel type d'état nous vivons. Concernant Dominique Baudis, Paul-Émile Charlton, qui a enquêté sur plusieurs affaires dans le sud de la France, dont celle-ci, a posé une question interpellante. Il a demandé ce qu'il en était de cette histoire de cadavre retrouvé dans une malle dans le coffre du véhicule de Dominique Baudis. Renseignements pris, des témoins ont déclaré qu'un soir où Baudis avait demandé qu'on lui amène sa voiture en urgence, le chauffeur qui avait senti une forte odeur avait regardé dans le coffre et retrouvé ce cadavre. Hélas, cette histoire, à la lumière de toute l'affaire Allègre, ne semble pas forcément invraisemblable. Et la justice dispose des informations et contacts pour aller plus loin, bien avant le décès de Baudis. Il semble aussi que Michel Roussel a été informé de cette histoire et Paul-Émile Charlton a donné le nom de la victime qui était propriétaire de plusieurs établissements de nuit à Toulouse, dont le Bacchus ou le Van Gogh, et qu'on avait retrouvé mort dans l'appartement au-dessus de l'un de ses bars. Penchons-nous à présent sur le témoignage des enfants du juge Roche, sur les propos tenus par leur père, procureur à Toulouse. Il nous a parlé d'un groupe secret relativement informel, basé dans la ville de Toulouse, où il a exercé, auquel il avait eu le malheur d'appartenir et dont il semblait impossible de sortir. Ce groupe rassemblait des personnalités de la bonne société, haut placées, dans différentes sphères. Notre père a certes mentionné le monde judiciaire où l'on recrutait, paraît-il, beaucoup, et pas seulement parmi les magistrats, puisque même certains hauts dignitaires de la police étaient considérés comme des recrues de choix. Mais à l'entendre, étaient aussi concernées des sphères aussi différentes que la politique, la finance ou encore le monde médical, et plus généralement des gens qui comptent dans le secteur les plus divers. Ainsi y aurait-il eu parmi les participants, et pour prendre qu'un dernier exemple, quelques universitaires. Il ne serait pas rare que ces soirées dégénèrent pour finir pour déraper complètement, cela parfois par un accident non anticipé et d'autres fois de manière parfaitement préméditée. Il y a apparemment des sortes de cérémonies animées par un célébrant, comme s'il s'agissait d'une secte où l'on ne sait pas trop quel culte. C'est au cours de ce genre de soirée que sont pratiqués des sortes de rituels allant du sacrifice d'un animal à l'homicide pur et simple. C'est en tout cas ce que notre père prétendait avoir vu de ses yeux, en passant par d'autres joyeusetés telles que la scarification de l'adepte. Notre père nous expliquait que les proies du groupe en question étaient toujours sélectionnées parmi les couches les plus isolées de la population et les catégories des gens les moins susceptibles de causer un quelconque émoi ou d'attirer une quelconque attention en cas de volatilisation pure et simple. Ce qui revient à dire que,
Sauf pêche miraculeuse, nos tortionnaires en col blanc n'avaient pas grand-chose de plus à se mettre sous la dent que des clodos, c'est une citation de notre père, des prostituées, parfois mineures, nous a-t-il précisé, et dans un certain cas, des étrangers en situation irrégulière, y compris des enfants. Snuff Movie, parlons-en. Sur un plan plus périphérique, notre stupéfaction fut à son comble lorsque notre père évoqua devant nous le spectre d'un trafic de vidéos illégales s'échangeant sous le manteau à des prix astronomiques et dont le sujet était l'humiliation, bientôt suivie de la torture et de la mise à mort du premier rôle bien involontaire. Le père Roche a créé un site internet avec des photos porno de sa deuxième épouse, une prostituée, et a cherché à accuser ses enfants de l'avoir fait. L'affaire a intéressé les médias en 2002, mais grâce à Baudis, alors patron du CSA, il a obtenu que personne n'en parle. Père Ben a assuré l'impunité au père Roche. Il a nommé Barreau dans l'affaire Allègre et lui demande tout de suite de demander une instruction sur le non-respect du secret de l'instruction, si bien que Montebourg a carrément accusé Père Ben de chercher à étouffer l'affaire. Père Ben a refusé de répondre à deux questions parlementaires sur son rôle dans l'affaire Allègre. Lors d'une confrontation, le 12 mai 2003, Patricia a demandé à Allègre « Et Père Ben, tu te souviens ?» Mais la phrase ne figure pas au PV. Continuons avec Philippe Douste-Blazy. À Toulouse, Douste-Blazy était le poulain de Baudis. En 2004, il est mis en cause par Patricia. Je cite. Lors de ses dépositions mettant en cause Dominique Baudis, Patricia a également cité le nom de deux autres élus, Philippe Douste-Blazy et André Labarrère. Le 13 février 2003, l'ex-prostituée affirme avoir vu passer des mallettes remplies de billets de 500 francs. Une fois, une mallette était destinée à chaque député maire, Dominique Baudis et André Labarrère, affirme-t-elle avant d'évoquer un réseau de proxénétisme régional. Le mois suivant, devant les gendarmes, l'ancienne prostituée parle de soirée très spéciale avec Dominique Baudis et Philippe Douste-Blazy. Concernant ses élus, elle assurera devant les enquêteurs qu'ils avaient acquis une garçonnière à Tarbes, puis parlera d'un château acheté en commun près de Lourdes. Après, André Labarrère et Philippe Douste-Blazy n'ont jamais été entendus dans ce dossier, évidemment. Puis elle serait revenue sur ses accusations concernant Douste-Blazy et Labarrère. À un moment, on m'a dit que c'est Douste-Blazy qui filait des infos à Jean-Michel Bellet de la Dépêche pour enfoncer Baudis. Au sujet de Douste-Blazy, on peut ajouter que son ex-compagne, productrice à France 2, est venue sur le plateau de Laurent Ruquier il y a un an ou deux afin de jurer qu'il ne s'était jamais rien passé à Marrakech. Il serait également le ministre cité par Luc Ferry comme s'étant fait poisser à Marrakech dans une partousse avec des gosses. Zut. Aujourd'hui, il travaille à l'ONU. Le livre de Fanny. Fanny, l'une des prostituées qui se sont retrouvées dans la ligne de mire des médias, a écrit un livre intitulé « Mes nuits noires dans la ville rose », publié en 2004 pour raconter comment elle a vécu toute cette affaire. Du moins, après la censure d'une dizaine de pages mettant en cause Marc Bourraguet, qui a également demandé le retrait de la vente. Ah oui. À lire ce livre, on comprend toute la douleur de cette jeune femme quand elle dit, je cite, « Ma vie est détruite pour avoir aidé la justice ». Pourtant, le gendarme Roussel, qui l'a persuadé de parler, lui avait dit que tout irait bien. Je cite, « Je lui en veux, car il nous a abandonnés en chemin », dit-elle de lui. En juin 2005, Fanny et Patricia ont été privées de tout droit civique pendant 5 ans et condamnées à 3 ans de prison ferme pour complicité de témoignages mensongers dans le volet de Jamel du dossier proxénétisme de l'affaire Allègre, nous dit Le Monde. Jamel se travestit, lui aussi suicidé dans les mois suivant ses déclarations, le 20 septembre 2003, qui avait parlé de la présence de Dominique Baudis à des parties sadomaso, qui avait aussi cité Nicolas Sarkozy comme étant présent aussi, et qui disait avoir vu là-dedans la petite Marion Wagon, disparue en 1996.
Et en mars 2009, Patricia et Fanny ont été condamnées respectivement à 3 et 2 ans de prison avec sursis pour dénonciation calomnieuse envers Baudis et Bourraguet, avec en prime 2 ans de mise à l'épreuve au cas où elles auraient envie de reparler de cette affaire. Dès le 11 juillet 2005, un des avocats de Dominique Baudis, maître Serge Didier, a annoncé un prochain dépôt de plainte avec constitution de partie civile, pour savoir qui est à l'origine de cette saloperie. Il avait ajouté qu'une action pour dénonciation calomnieuse s'était engagée si le tribunal correctionnel condamnait les deux jeunes femmes dans le dossier Jamel. En tout cas, Baudis a été totalement blanchi puisqu'il s'est retrouvé au poste de défenseur des droits. En 2008, c'est Carl Zéro qui est mis en examen par la Cour d'appel de Paris, puis renvoyé en correctionnel pour avoir lu la lettre que lui avait écrite Patrice Allègre à l'antenne du Vrai Journal le 1er juin 2003. Dans cette missive, ce dernier reconnaissait les meurtres d'une prostituée et d'un travesti et désignait le magistrat Marc Bourraguet et Dominique Baudis, alors président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, comme les commanditaires de ce dernier assassinat, nous explique Mediapart. Il est finalement relaxé en novembre 2012. Fanny a donc décidé d'écrire un livre pour raconter son histoire. D'après Alain Vidal, ce qui est écrit est vrai. Si elle a parlé, c'est parce que le gendarme Roussel ne l'a pas lâchée pendant plusieurs mois. Fin 2002, Fanny s'installe à Lyon, de Lyon à Toulouse avec sa famille, alors qu'elle vient d'avoir son 5e enfant. Durant l'hiver 2002-2003, elle subit de nombreuses interrogations étalées sur 5 mois. Roussel lui promet de la soutenir jusqu'au bout de la procédure, car Fanny sait très bien, et mieux que le gendarme, qu'on fera tout pour empêcher l'affaire d'éclater. Dans son livre, Fanny, née en 73, raconte qu'elle a été confiée en 1981 à un organisme qui l'a placée dans un foyer. Cet organisme a toujours refusé qu'elle conserve son dossier, dont il manque plusieurs pièces. Son histoire est donc un peu floue. Elle a très vite commencé à tapiner. Sa mère lui demandait de se prostituer quand il manquait de l'argent. Moche. En 77, sa mère demande au juge de la confier ainsi que sa sœur à une institution religieuse à Isis, dans la banlieue de Toulouse. Leurs frères y sont envoyés ailleurs. Quand elle rentre parfois dans sa famille, le week-end, les maltraitances sont la norme, puis elle commence à fuguer. Puis, à l'âge de 8 ans, on vient la chercher, on la sépare de sa sœur et on l'envoie dans l'organisme évoqué plus haut. Quand elle est enfin placée dans une famille où les choses se passent bien, sa mère demande de l'envoyer ailleurs. À 12 ans, elle continue ses fugues. On lui reproche de se droguer et elle est internée dans un hôpital qui a brûlé en 2001 et où plusieurs de ses collègues du dortoir sont également passés. Venue pour une simple consultation, elle y restera 6 mois et passe des heures en cellule capitonnée. Heureusement pour elle, elle fait mine de prendre ses cachets. Elle retourne dans un foyer de la DAS dans l'Aveyron d'où elle fugue à nouveau. Un responsable, qu'elle appelle Cobra, a signé pour qu'elle aille dans ce foyer. Finalement, elle tombe sur une famille où elle se sent à nouveau bien. Ses gens veulent même l'adopter, mais cette demande est refusée, sans qu'elle sache pourquoi, puisque ses pièces ne figurent pas dans son dossier. Puis elle est encore transférée et se retrouve à 15 ans dans un foyer en plein cœur de Toulouse, entre la Garonne et la place du Capitole. En face, il y a le bar d'un certain M, grand ami de Cobra. Dans ce foyer, il y a une douzaine de filles âgées de 15 à 18 ans qui vivaient chacune dans un studio équipé d'une petite cuisine. Le vice, c'est qu'on leur donne que 50 francs par semaine pour vivre, ce qui est impossible à tenir si bien que les filles magouillent ou tapinent. Puis elle tombe sur son frère en 87. Il traîne dans le quartier de la gare de Matabiau, où traîne aussi un certain Monsieur Trois, la quarantaine, qui lui dit qu'il est directeur d'une grosse entreprise et lui lâche quelques billets de 50, 250 francs. Au début, il ne couche pas avec elle, il la met en confiance. Il s'agit de l'Agdar Messaouden. Pendant ce temps, son frère rencontre Patrice Allègre et Fanny le rencontre au Café Noir à Matabiau. Ils se rapprochent car ils ont un passé similaire. Il a 4 ans de plus qu'elle, mais le courant passe bien. Des années plus tard, Fanny analyse que déjà à l'époque, les jeunes types du quartier de la gare servaient de rabatteurs à Monsieur Trois et qu'ils présentaient les filles du foyer.
À 17 ans, elle croise souvent les flics dans ce milieu. Petit à petit, Monsieur 3 l'emmène dans des hôtels, couche avec elle et lui donne de l'argent. Puis il l'envoie chez un homme pour faire tout ce qu'il te dit et ne discute pas. Parfois, il arrive à Fanny de faire des passes au foyer pour éviter aux plus jeunes de devoir taquiner. Les clients sont envoyés par Monsieur 3, des notables, des cadres. Monsieur 3 garde presque tout l'argent qu'elle lui remet, soit 4 000 à 6 000 francs par semaine. Plus tard, quand elle ne gagne pas assez, Monsieur 3 la fait frapper par Allègre ou par un ami flic. Le soir, ils vont au restaurant avec Monsieur 3, Allègre et sa bande de copains, flics. Au début, il y a une bonne ambiance, puis les choses changent, ça se tend. À cette époque, Fanny sert à Monsieur 3 à signer de gros contrats, mais elle le voit moins et il lui amène des clients de plus en plus spéciaux, tout en lui prenant maintenant tout l'argent qu'elle gagne. Du coup, elle trouve ses propres clients et met de l'argent de côté. Elle n'a alors même pas 18 ans. Les flics l'arrêtent et l'affichent comme prostituée mineure. C'est bizarre, écrit-elle. Parce que d'un côté, je les fréquente et de l'autre, ils m'arrêtent. Très vite, ces mêmes flics lui demandent de leur payer une taxe d'environ 1 500 francs par semaine, comme ils le font avec toutes les prostituées. Et elle est parfois violée au passage. Elle rencontre pas mal de filles, dont Patricia. Allègre est chargée de les corriger, y compris Fanny. Monsieur 3 la fait surveiller à longueur de temps, et quand elle gagne un peu moins d'argent, elle se fait tabasser. Fanny a pu constater qu'Allègre n'a jamais payé une seule contravention de sa vie et qu'il n'était jamais embêté pour ses nombreux casses. Alors, qu'en est-il de ces fameuses soirées toulousaines? Monsieur 3 lui présente ainsi aussi celui qu'elle appelle Cobra. En réalité, il s'agit de Marc Bourraguet. En haut, un haut fonctionnaire bourgeois qui, au début, se montre plutôt gentil quand il vient la voir au foyer. Où, décidément, les allées et venues d'un monsieur d'un âge respectable ne semblaient déranger personne. 3 mois plus tard, il lui demande de coucher avec elle. Avec lui, pardon. Puis il lui demande de l'accompagner à des soirées. C'est le roi des pervers, écrit-elle. Mais cela, elle ne s'en rend compte que plus tard. Elle devient donc son accompagnatrice des notables pervers. Amateur d'une boîte échangiste appelée le Quai des Brumes, un des QG de Cobra également, ou encore d'un hammam libertin appelé les Vapeurs, et ailleurs encore. Il y avait aussi, explique Fanny, les soirées à la maison de Noé, qu'elle appelle la maison de la base, au bord d'un lac qui sera partiellement comblé pour faire passer une autoroute, dans un village situé à une trentaine de kilomètres de Toulouse. Autour de cette maison, il y a un parc paysager avec une petite forêt. Elle savait qu'il se passait des choses lourdes au premier étage, mais elle ne s'en occupait pas. C'est juste ce qu'on lui avait dit. Petit à petit, Fanny se rend compte qu'elle est en danger de mort dans ce milieu. Un soir, elle cherche Allègre, et c'est dans un hôtel qu'elle le trouve, dans une chambre, assis sur une fille en lui tenant un oreiller sur la tête. Elle s'enfuit, mais quand elle le recroise, il lui tailla de la main pour la dissuader de parler. Fanny se rend alors au commissariat pour porter plainte, la tête en sang, la main coupée. Le flic commence par prendre sa déposition, puis la met à la poubelle quand elle cite les protagonistes. À ce moment, Fanny va avoir 18 ans, elle doit quitter le foyer. Mais elle obtient une dérogation car elle est enceinte. Elle explique d'ailleurs que c'est seulement lors de son troisième avortement qu'elle a appris comment on tombait enceinte. Quant à voir qui est le père, c'est difficile entre ses clients et tous ceux qui la violaient, comme Cobra, Monsieur 3, etc. Cobra, qui était donc ce magistrat cofondateur du Sauvegarde 31, l'organisme chargé de placer les enfants, lui aurait même dit, je cite, Vous, les putes, vous n'avez pas le droit d'avoir des enfants. De toute façon, ils ne vous appartiennent pas. Ils sont à la justice dès la naissance. Charmant. D'ailleurs, l'enfant est rapidement placé suite à un rapport de l'assistante sociale à la DAS. Suite à ce placement, Fanny est effondrée. Elle ne peut voir l'enfant qu'en point rencontre, en présence d'un éducateur. En parallèle, de plus en plus de prostituées disparaissent dans la région, même de très jeunes filles.
Fanny apprend que des filles se font enfermer dans un cabanon à la maison de Noé et qu'après cela, elles mettaient des semaines à s'en remettre. D'autres étaient enfermées dans le grenier situé en haut de la tourelle qu'on appelait la chapelle. Un soir, Fanny raconte qu'elle est montée au premier étage et qu'elle a vu Cobra attacher une gamine à des anneaux ou des crochets fixés dans le mur. La gamine ne se débattait pas, ne disait rien. Fanny était sûre que c'était une enfant, car sa poitrine n'était pas du tout développée, et elle pense qu'elle devait avoir 12 ou 13 ans. C'est là qu'elle a compris qu'il y avait d'autres mineurs dans ses soirées. Elle retourne dans cette maison la semaine suivante. Là, elle voit beaucoup de filles très jeunes qu'elle ne connaît pas. Ce soir-là, elle dit à Cobra qu'elle l'a vue avec la gamine la semaine précédente. Alors, il la fait monter au premier étage avec le flic, puis au grenier où il l'attache à une poutre pendant 24 heures. Il la laisse enfermée là-haut pendant une semaine. De plus en plus, elle voit des filles revenir défoncées de leur soirée avec ces messieurs de la haute. Un soir, alors qu'elle est chez Cobra, elle se met à fouiller pour tenter de savoir ce qu'il se passe. Elle trouve une petite mallette qu'elle embarque. Dedans, elle trouve des photos de gens connus dans des positions compromettantes et divers documents. Fanny entend parler de plusieurs meurtres de filles déguisées en suicides, de tortures grassement payées par de riches pervers, de prostituées insoumises qu'on enferme dans des baraques de chantier pour être violées par des dizaines de types chaque jour, tout en étant droguées. Certaines, pardon, étaient utilisées ainsi pendant plusieurs semaines avant d'avoir une overdose. Fanny a assisté au meurtre de Lynn Galbardi le soir du 3 janvier 1992 à l'hôtel de l'Europe face à la gare Matabiau. Ce soir-là, Fanny est avec un client, un vieux qu'elle aime bien. Dans la chambre d'à côté, elle entend une importante dispute. Des cris, des coups, des gémissements allant crescendo. Elle entend parler de cam, de déposition, de meurtre. Elle va donc voir ce qu'il se passe car elle sait que l'homme qui se trouve dans la pièce est un sadique. Lynn a assisté à un meurtre et s'est mise à insulter son souteneur. Une troisième prostituée est présente. Allègre les force à assister à la mise à mort. Dans la pièce, elle voit Lynn Galbardi en sang, à moitié nue, l'air hagard. C'est là qu'elle la reconnaît. Allègre la frappe à coups de poing au visage. Il la défonce littéralement, la viole tout en souriant. Il quitte la chambre 3 quarts d'heure plus tard et Fanny se rend dans la chambre où elle voit Lynn sur le dos. Là, Allègre met sa houdaine, le souteneur de Lynn et la troisième prostituée remontent et mettent le corps dans la salle de bain. Quelques jours plus tard, Fanny est convoquée chez les flics. Celui qu'elle appelle le faux arrive dans le bureau où elle est entendue et les flics demandent à savoir ce qu'elle a vu le soir du 3 janvier à l'hôtel de l'Europe, à quoi elle répond qu'elle n'a rien vu. Le faux dit de l'attacher au radiateur et Fanny crie qu'elle a tout vu et qu'elle va tout balancer. Du coup, la faux la viole pendant la fouille et la met en garde à vue. Le lendemain, il lui dit de quitter Toulouse et que l'affaire est classée. Concernant le meurtre de Claude Martinez. Un soir où Fanny se trouve à la maison de Noé en compagnie de Cobra, Patricia, la faux et d'autres, Cobra reçoit un coup de fil d'Allègre qu'il met sur haut-parleur. Elle entend Allègre parler de vidéos compromettantes de lui avec des passages sadomaso qui pourraient ruiner sa carrière. Il dit qu'une certaine Claudia, un travelot, aimait bien filmer les partouzes. Claudia, c'est Claude Martinez. Et Fanny le connaît bien, puisque c'est avec lui qu'elle planquait la mallette avec des photos de partouzes volées chez Cobra. Bref, on compte sur Pat et la faux pour se charger de cette affaire bien embêtante. 92, c'est l'année où Cobra devient véritablement le tortionnaire de Fanny. Elle n'est plus à ce moment-là sous la coupe de Monsieur Trois et pas sous celle de Cobra. La violence devient telle, même pour Fanny qui est habituée, qu'elle le fuit. Alors, il fait rechercher par les flics et amener dans son bureau du tribunal, au tribunal, où il la viole et l'humilie devant les flics qui regardent.
Toujours en 92, Fanny se rend chez Monsieur 3 pour une séance particulièrement crade et il réclame qu'elle lui donne 4 à 6 000 francs par semaine, en plus de l'enveloppe qu'elle donne aussi à la faux. Dans la soirée, Fanny est emmenée en voiture avec Allègre, Monsieur 3 et Cobra et la faux, qui l'emmènent dans un coin où il la frappe partout et la viole. À la fin de la séance de torture, elle saigne de partout et n'a plus du tout de force. Elle va ensuite à l'hôtel avec Monsieur 3 qui la viole à nouveau. Elle mentionne une fois où elle a essayé de parler à quelqu'un et où elle a encore fini à l'hôpital psychiatrique où on l'a gavée de cachet. Elle n'a pu en sortir qu'après avoir dit qu'elle avait tout inventé. Alors le gendarme Roussel contacte Fanny. Fanny quitte la région de Toulouse suite à ces violences de plus en plus graves et fréquentes. Durant l'hiver 2002, alors qu'Allègre est en prison depuis bien longtemps pour divers meurtres, le gendarme Roussel contacte Fanny. Très vite, elle reçoit des menaces de la part de la faux, Cobra et d'autres, se fait encore une fois massacrer. Elle est suivie près de chez elle, alors qu'elle vit à plusieurs centaines de kilomètres de Toulouse. Le 18 mai 2003, elle voit Baudis qui s'épanche sur le plateau du JT de France 2. Tout de suite après, il y a eu le témoignage de Jamel qui aurait appartenu au milieu. En même temps qu'elle, écrit Fanny, qui précise que pourtant elle ne le connaît pas. Fanny vérifie quand même auprès d'anciennes collègues de trottoir, mais personne ne le connaît non plus, et Fanny pense qu'il ne se trouvait pas à Toulouse de 92 à 93. Véritablement, Jamel est arrivé au point nommé pour décrédibiliser toute l'affaire, disant par exemple qu'il était le fils caché de Michael Jackson. Le dénommé Jamel s'est très vite suicidé après être intervenu dans l'affaire. Elle constate aussi qu'au moment du scandale sur les notables toulousains, l'avocate de Patricia, son ancienne collègue, multiplie les interventions médiatiques. Il y a aussi cette émission de Carl Zéro dans laquelle il lit la lettre d'Allègre et Fanny dit qu'elle reconnaît son écriture. La suite, on la connaît. Fanny, comme elle le craignait depuis le départ, a payé très cher le fait d'avoir parlé. Comme elle le craignait dès le départ, elle s'est retrouvée seule à se débattre dans des procédures sans fin. Même son frère l'a poursuivie pour son livre, mais elle a été relaxée. Ses enfants ont été placés, elle a été envoyée en prison, tabassée, menacée. Si l'on était encore dans un état de droit, on se serait indigné de voir Dominique Baudis mise en balance avec Jack Lang pour occuper le poste de défenseur des droits des citoyens français. Que veut dire une telle nomination ? Quand on recense les manquements et les mensonges dans l'affaire Allègre, notable toulousain, une claque aux victimes ? La revendication de vivre dans un état népotiste ? La toute-puissance des pervers ? Je vous laisse le soin d'interpréter les choses. En tout cas, il reste presque 200 meurtres non élucidés dans la région toulousaine, de nombreux pervers impunis et tout un système qui n'a pu que perdurer face à l'impunité qui fut la sienne. Une impunité assurée, la main dans la main, par une classe politique vérolée et une justice tout aussi vérolée. La conclusion pour le citoyen lambda est simple. Il faut faire table rase de ce système. Lâcher la République et construire une véritable démocratie. En tout cas, on pourrait bien reparler de cette affaire très bientôt.